Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin est là-dessus. Hamelin le tire et contre. Oh, quel but! Oh, quelle mise en échec! Un échappé, Carpentier. Vous l'avez le point, attention! Un bon arrêt, lance! Et go! Charpentier avec le 10, contour de l'autre côté, le but! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, épisode 9, on a quelques nouvelles, là, dont les matchs là, qui ont été reportés à cause de la COVID. Il y a eu des joueurs là, qui ont fait leur premier match, qui ont bien performé. Il y en a même un qui était dans les trois étoiles de la semaine, cette semaine. On va en voir là, à l'émission, donc... Francis Meyer, là, dans un premier temps, qui va venir parler avec nous, le joueur des 3L. Et puis, Fabien Dubé va venir un petit peu plus tard pour nous parler là, un peu de son travail de DG, son day-to-day. C'est quand même un nouveau DG dans la Ligue. Là. C'est peut-être pas tout le monde qui le connaît. Donc, on va faire sa connaissance. Et puis, donc, on avait annoncé le retour du TIF. Là, malheureusement, il y a un entraînement qui était prévu. Ça a été un petit peu plus long. Donc, il va venir un petit peu plus tard, va venir faire son tour plus vers la fin de l'émission qu'il nous a écrit. Donc, Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Ouais. All right. Donc, peut-être dire un petit salut aux gens. Là. Martin Simoneau. Qui écrit bonsoir les boys, Caroline Marcel Blanchette qui dit hola, señorita. Donc, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Pendant que peut-être là, je partage le podcast, Dave, on pourrait peut-être aller aux autres nouvelles. Là, cette semaine. On s'en est parlé un peu là, avant le show. J'avais vu la nouvelle là, passer la semaine dernière. Mais Alexandre Perron-Fontaine, là, qui a déjà quitté le Cool et a quitté pour l'Allemagne. Ouais, ouais donc la présence d'Alexandre Perron-Fontaine aurait été de courte durée à Saint-Georges. Lui qui a signé là, avec le SC Ries-Cerces, qui est une ligue en Allemagne, qui est quand même une ligue en troisième division. Donc, j'imagine qu'il a dû recevoir une bonne offre pour aller un peu ton allemand, là, Dave. Ouais. C'est pas ma langue fétiche. Mais ouais, fait que malheureusement, là, c'est ça. Il reste joué que deux matchs avec le Cool FM. On a réussi à amasser un but. On sait jamais, hein, ça peut bouger rapidement au niveau de justement ce genre de... ce chose-là. Là. Fait que est-ce qu'on va le revoir avant la fin de l'année? Ça se peut. Sinon, tu sais, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois dans l'histoire de la Ligue. Là. Un joueur qui veut aller vivre le trip, si on veut, en Europe, d'aller jouer un peu là, puis qui revient après. Donc, c'est sûr qu'il va rester dans la liste du coup, puis qu'il va pouvoir revenir. On l'a vu là, dans ces deux matchs, un défenseur qui est très mobile, qui a une bonne touche offensive. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va mener. Yes. Donc, on pourrait peut-être aussi parler de André Thibault avec le Cool FM. Au moins, on a une bonne nouvelle. Ah, ben, en terminant aussi, Alexandre Perron-Fontaine, on l'a quand même eu sur le show quand il est arrivé pour faire son retour. Ouais, c'est vrai. C'est un petit cachotier, il nous avait pas dit ça. Ouais. Ouais, il a juste joué une fin de semaine. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. André Thibault, là, avec le Cool, a joué, un joueur qui provient du 103A, a joué ses premiers matchs là, avec le Cool en fin de semaine. Même un bon combat là aussi, Dave. Ouais, ben deux. Ben, il y a eu deux combats techniquement contre Chris Cloutier. Le premier n'aura pas duré longtemps, donc je pense que cinq minutes après, quand ils sont sortis devant les pénalités, ils ont voulu réessayer puis avoir un meilleur combat. Puis il a bien fait. Je pense que ceux qui ont vu le combat pourront conclure qu'il a gagné son combat. Donc, bonne chose pour le Cool FM. C'est sûr que, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu en début de saison, Dave Hamel s'est blessé. Il était de retour lors du dernier match. Il n'a pas trouvé de partenaire de danse, probablement à son grand chagrin. Mais, on ne sait jamais. Justement, il s'est blessé. Il a manqué pratiquement un mois. Donc,
Donc, tu sais, si jamais il y a de quoi qui arrive à Dave Amell encore, ben, c'est le fun de voir qu'il y a une police d'assurance. Puis c'est quand même un gars qui est jeune, qui a envie de démontrer qu'il est capable de faire ce job-là. Donc, à date, ça a bien été. Donc, on va peut-être le revoir d'ici la fin de l'année. Il y a aussi eu des suspensions là, pour William Breton. Oui. William Breton, là, qui c'était son premier match après son retour de, je pense que c'était de Lettonie, si je ne me trompe pas, avec l'armée. Puis c'est ça, là, il a distribué des bonnes mises en échec en première période, mais on le sait, c'est un joueur très intense. On a peut-être mis un petit peu trop sur la mise en échec qu'il a faite à Cédric Véropol en fin de première période. Puis ça lui a coûté un 5 minutes et un match de suspension. Là, donc, il va rater le prochain match du coup. On verra c'est quand le prochain match du coup. Parce que c'est une autre affaire qu'on va parler un peu tantôt, mais ouais. C'est ça. Là, c'était, je dirais que c'était une mise en échec limite, disons. Les arbitres avaient décidé d'appeler un 5 minutes sur ce jeu-là. Je pense que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Heureusement, Francis Véropol, je pense qu'il est revenu au match, à moins que je me trompe. Là. Mais je pense qu'il était revenu dans le match par après. Donc, au moins, il était correct. Et, Hubert Poulin aussi, qui a une suspension suite à son geste de samedi. Ouais, ben ça a un peu dégénéré ce match-là en fin de troisième. Là, on le sait, c'était un match qui était très serré jusqu'en troisième période. Puis en troisième période, Laval a pris les devants 3-0. Puis je pense que c'est un peu de frustration du côté du 3L. On avait encore une chance de faire une belle figure à la maison avec un match serré en troisième période. Puis hop! Merci de m'avoir repris, Jean-Michel. Oui, donc merci d'avoir repris. Donc, j'espère qu'il est correct. On sait que, je pense, Francis Véropol a déjà eu des commotions dans sa carrière. Là. Donc, on va espérer qu'il est correct. C'est ça. Mais ouais, Hubert Poulin, dans le fond, les esprits étaient échauffés, je dirais, en fin de troisième période. Justement, suite à le fait que le 3 a encore échappé, si on veut, le match en troisième période. Puis, c'est ça, Hubert Poulin avait déjà fait un combat contre la France. Je pense que ça ne tentait pas de nécessairement se rebattre avant la fin. Mais là, du côté de Laval, on l'a picassé pas mal. Finalement, il a un peu pété sa coche, si on veut, sur Justin Doucet en fin de game. Donc, ouais, ça lui a coûté une petite pénalité pour agresseur et une petite suspension de deux matchs. Yes. Donc, les derniers là, qui sont arrivés, donc. Tristan Pou qui dit salut aussi, Denis Arsenault qui dit bonsoir, quelle déception le TIF. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc le TIF là, avait un entraînement privé de hockey, finalement ça a duré plus longtemps. Il va venir plus tard là, sur le show, donc restez avec nous. Là, il va venir nous dire salut au moins. Il va venir nous dire salut là, pour les gens qui se le demandent. Donc, salut Jean-Michel, salut Emmanuel, Big Ben Photo qui dit bon podcast, les boys. Il y a eu aussi, on a effleuré le sujet, là, mais des matchs là, qui ont été remis à cause de la COVID et aussi les matchs, là, des matchs en personne du Cool FM. Là. Ouais, ben la semaine dernière, là, c'est venu après le podcast, là, mais il y a un petit. La fin de semaine d'avant, il y avait quelques joueurs qui n'avaient pas pu jouer le match de l'assurance contre le coach, justement, à cause qu'il y avait la COVID. Puis là, ben, on a su qu'il y avait une petite éclosion dans l'équipe la semaine dernière, donc leur match a été annulé. Puis cette semaine, c'est ça, là, on a appris que c'est le cool, là, justement, qui ont une petite éclosion. J'espère que c'est pas à cause qu'ils ont joué. Contre l'assurancia comme la semaine d'avant, puis que c'est là un peu que ça s'est propagé, parce que sinon, ça risque d'être dangereux pour le reste de la ligue. Là. Mais on est mieux de ne pas prendre de chance, puis d'annuler les matchs, puis de les reprendre peut-être plus tard en saison quand ça arrive, parce qu'on peut pas. On peut pas justement prendre de chance avec ces choses-là, là, puis risquer que ça se propage à travers toute la ligue. Là. Donc c'est plate, ça fait des fins de semaine un petit peu plus tranquilles, peut-être qu'un petit peu plus moins de matchs, mais. Vaut mieux avoir un peu moins de matchs dans ce sens-ci de l'année, puis avoir une grosse cédure vers la fin de la saison, avant les séries, avant que ça soit le fun, que de prendre des risques inutiles. Il y a aussi les premiers matchs là, de Antoine Masson, ça a comme passé sous silence. Je n'ai pas vu l'annonce de la signature. Ben, il y a juste son premier match dans les étoiles de la semaine, un but de passe, du gagnant. On pourra poser la question à Fabien tantôt, mais il n'y a pas eu d'annonce comme telle. Moi, je suis arrivé à l'aréna vendredi, j'ai vu l'alignement, j'ai fait « Ah, Antoine Masson, aller voir, j'avais pas nécessairement
connaissance de c'était quel joueur. J'étais allé voir, puis j'ai dit, ah, Colin, pratiquement 2 points par match dans le senior 3A, de ne pas être mauvais. 2 points par match dans le junior 3A quand il était junior. Tu sais, des statistiques, je dirais, semblables à Marc-André Tourigny, disons, que dans le temps qu'il jouait dans le junior 3A. Fait que, disons, on va voir ce que ça a donné. Puis, pour ce match-là, dans le fond, l'acolyte à Maxime Saint-Cyr, le fidèle acolyte, Jannick Asselin, était suspendu. Donc, c'est lui qui a remplacé, disons, Jannick Asselin à l'aile de Maxime Saint-Cyr. Puis, il a super bien fait. Le premier but en échappé, il a fait une super belle passe lobée. Donc, il y a une passe sur le but de Maxime Saint-Cyr. Ensuite de ça, il a fait son propre but sur une passe de Saint-Cyr. Puis, il en a même remis en troisième période avec un autre belle passe pour un one-timer à Saint-Cyr qui se ramasse avec un but 2 passes dans son premier match puis va aider le 3L à remporter une grosse victoire sur la route à Sorel-Tracy. Donc, dire, le 3L serait, on pourra encore une fois poser la question à Fabien tantôt, mais je pense que le 3L serait fou de ne pas y donner au moins une ou deux autres chances de sa fin de la saison pour continuer de se faire valoir parce qu'à date, il a fait une super belle première impression. Puis justement, l'annonceur disait comment qu'on va faire là, quand Asselin va faire son retour. On peut pas passer avec Masson. Je sais pas si Asselin ou Masson peut évoluer peut-être sur l'autre aile, mais ça pourrait être une option d'essayer ces trois-là ensemble, qui sait. Ou sinon, on sait jamais, des fois il y a des blessures, ça peut on a vu là, à cause que Loïc Marcotte n'était pas là, c'est Raphaël Corriveau qui avait pris sa place sur la ligne avec Tourigny puis Villemaire. Peut-être qu'un Masson pourrait aller prendre la place sur la première ligne puis permettre à Raphaël Corriveau de garder son poste. T'sais, Raphaël Corriveau, j'enlève rien à Corriveau, là, mais je pense que Corriveau est un petit peu plus efficace sur une troisième ligne, mettons, avec son échec avant puis tout ça, que peut-être sur une première. Donc ça donne d'autres options au 3L. Donc, peut-être dernière petite nouvelle avant d'aller à notre invité, là, Francis Maher, qui est dans la salle d'attente en passant. Là, il entend tout ce qu'on dit. Fait que, Dave, tu peux te gâter si tu veux. Il ne pourra pas te répondre. J'ai rien à redire. Je dirais en pleine face, là, mais je trouve que ça l'aide. Son retour, sa ligne bleue des 3L à date, je trouve que ça l'aide beaucoup. Donc, dernière petite nouvelle avant d'aller avec Francis. Dan Malouin, Gabriel Verpas, Max Saint-Cyr là, avec les Lions. Je pense que c'est ça qu'on est en train de se rendre compte que la Ligue nord-américaine, c'est pas mal la filière des Lions de Trois-Rivières maintenant. Là. Ça fait quasiment chaque semaine. Tant mieux pour eux autres. J'ai lu l'article là, qui est sorti dans la Voix de l'Est sur Danick Marloin qui sa priorité, c'est 100% les marqués qu'il disait, mais qu'il était heureux d'avoir cette opportunité-là. Il va jouer mercredi, donc demain soir. Donc, pour les fans des marqués sur TVA 2, TVA Sport 2, demain soir, Gabriel Verpas et Danick Marloin devraient être de l'alignement pour les Lions Trois-Rivières. Ça pourrait être un match de fun à regarder. Puis il y a Maxime Saint-Cyr aussi qui devrait jouer. Donc, mais tu sais, Maxime Saint-Cyr, je l'avais vu aussi lors du podcast, d'un des podcasts des 3L en début de saison. Puis lui aussi, il a dit que si l'opportunité se présente, qu'il va y penser, mais que les joueurs souvent qui jouent dans cette ligue ne veulent pas vraiment jouer temps plein dans cette ligue-là parce que tu sais, il faut que tu vives de ça. Tu ne peux pas avoir ta job temps plein sur la semaine. Faut que tu voyages dans les petites villes en autobus, dans les États-Unis. Donc, tu sais, c'est vraiment pas le même rythme de vie. Mais de pouvoir jouer un match ici et là, une fois de temps en temps, quand l'appel provient des Lions, c'est sûr que ça leur fait plaisir. Donc, d'après moi, on est en train de voir ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Ça risque d'être tout le temps un peu. Nicolas Larivière aussi, de l'assurance. Ouais. Je pense que ça fait plusieurs. Après le dernier podcast. Là, Nicolas Larivière, Victor Beaulac et Gabriel Labbé, les Éperviers, ont joué chacun 2 matchs. Ouais. Nicolas Larivière aussi, Philippe Denis, des marqués de Jonquière, même marqué son premier but la semaine dernière avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, lui aussi, je pense qu'il est encore là. Donc, je pense que. Non seulement c'est une belle visibilité parce qu'on se rend très bien compte que les joueurs de la Ligue nord-américaine rentrent dans l'East Coast et ils n'ont aucun problème puis ils produisent. Même Gabriel Labbé aussi des Éperviers a fait une passe. Fait que je pense que Luc Marcotte avait 2 points en 3 matchs quand il est allé jouer là-bas. Fait que, on voit tout de suite que c'est vraiment du luxe pour les Lions de Trois-Rivières d'avoir accès à tous ces joueurs-là. Là. Facilement. Tout à fait. Ben, en même temps que justement 3 joueurs comme ça, là,
soit à Trois-Rivières pour jouer une partie. Ça crée un hype. Mm-hmm. Même Jean Michel, il a dit je monte les voir jouer demain. Mais tu sais, ouais. C'est peut-être justement pour les gens qui n'ont pas tout le temps l'opportunité de monter, mettons, voir Maxime Saint-Cyr à Rivière-du-Loup ouais. À loin à Jonquière, donc ils peuvent aller peut-être un petit peu plus près à Trois-Rivières. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce que Saint-Cyr va faire à Trois-Rivières. Moi. Parce que, avec la saison qu'il y a dans la Ligue américaine. Ben, à date, tous les joueurs là, ont bien performé. Oui. Donc, à suivre. Ben, m'a dit ça de même, là, mais depuis qu'ils ont commencé à rentrer des joueurs de la Ligue américaine dans leur alignement, c'est là qu'ils commencent à être bons. Parce ouais, que le début de saison des Lions, c'était poche, mais depuis, on dirait que depuis qu'ils ont commencé à rentrer des joueurs de la Ligue nord-américaine, ouais. Le vent a changé de bord, puis là, ils comptent plus 20-20. En tout cas, est-ce que c'est ça? Ouais. Donc, on y va avec notre invité? Oui. All right. Salut Francis, ça va bien? Salut les boys, ça va bien vous autres? Yes, yes. Donc, on est avec Francis Meyer de 3L de Rivière-du-Loup. On s'était contacté la semaine dernière là, parce qu'on voulait avoir à chaud là, peut-être tes commentaires suite à ton retour. Mais là, c'est encore mieux. Tu as joué 3 matchs. Fait qu'on va pouvoir te parler un peu de comment ça s'est passé. Mais ouais. D'abord, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Ça va super bien. C'était assez spécial de revenir. Ça fait du bien pour vrai. Je sais que vous avez des questions à me poser, là, mais ça fait du bien de voir les boys, d'être joueur en fait dans une chambre d'hockey. Je sais pas si vous saviez, mais j'étais coach. En fait, je suis coach au Condor de Saint-Hyacinthe dans Saint-Yon 3. J'ai bien des chums qui jouent dans l'équipe, les deux autres coachs et mes chums aussi, mais ça me manquait d'être sur la glace. Là. On dirait que je regardais les games des fois, j'avais envie d'embarquer et de travailler avec les boys. Fait que ça me travaillait depuis le début de l'année. Les gars, DG, propriétaires, ça me textait. Donc, j'avais de la misère. Puis là, quand il a commencé à faire noir tôt, ben, j'ai commencé à avoir le goût d'aller jouer au hockey. Donc, finalement, si on te demande là, pourquoi tu es revenu, c'est parce que tu t'ennuyais de jouer ou c'est parce que tu t'es laissé convaincre là, par les appels que tu as eus? Les deux, je vous dirais. T'sais, c'est sûr que j'allais jouer dans mes ligues de garage, les gars organisées la fin de semaine, mais c'est pas pareil. Puis je me sentais encore en forme un peu, même à 31 ans. Donc écoute, quand je me suis laissé tenter, j'étais encore en contact avec les gars. Je voyais que ça allait pas super bien non plus. Puis, c'est ça, après une couple de discussions avec Carl Boucher puis Fabien Dubé, j'ai décidé d'y aller. Puis ça me fait un grand plaisir. Mm-hmm. Justement, ton ancien DG, Carl Boucher, qui écrit « Bon job de make-up, Francis Meyer ». Ouais, mais c'est la lumière, ça. Tout est dans la lumière. J'ai vu qu'il avait écrit là, que ça va être beau, le Francis Meyer, la face blanche avec le chandail bleu de 3L, quelque chose de même. J'ai vu ça pour... Ouais, j'avais une bonne relation avec Carl. Il pas très beau non plus, fait que on s'écœure pas mal à chaque fois qu'on vient. Hey, lui, il peut pas se défendre, à part s'il écrit dans le chat, là, mais bon. Ouais, c'est ça, je suis pas inquiète pour lui. All right. Sinon, t'as effleuré un peu le sujet, là, mais... tu étais avec comme coach là, dans le Saint-Yon 3 avec Saint-Hyacinthe, mais tu n'as pas joué de match avec eux, là, rien. C'était juste du coaching. Oui, c'est ça, exact. Ben, en fait, j'ai pas le droit de jouer Saint-Yon 3. Là. C'est le règlement que la dernière année avant le COVID, en fait, j'ai joué trop de matchs. Donc, je pense que la limite, c'était comme 20 ou 21. Fait que techniquement, j'avais pas le droit de porter l'uniforme. Fait que mes amis, en fait, deux de mes grands chums ont accepté les postes de coach. Fait que moi, je me suis dit pourquoi pas. Au moins, je vais aller voir les boys, je vais aller dans une chambre de hockey, puis je vais être dans l'atmosphère que j'aime. Mais comme je te dis, c'était super le fun pour vrai, super de belles expériences. Super de belles organisations aussi. C'est sûr que c'est pas au revoir non plus. On va voir comment ça va aller, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est sûr que
je vais focusser un peu sur les 3L, c'est sûr et certain. Mais comme je l'ai dit, c'était juste vraiment spécial d'être en arrière d'un banc et coacher des gars de mon âge aussi. Donner des tapes dans le dos d'un Benjamin Lecomte, Gabriel O'Connor, avec qui j'ai joué toute ma vie, c'était un peu bizarre. Puis, c'est ça. C'était la misère à aller bencher, mettons. Le coaching t'intéresse-tu peut-être? Tu coaches du monde de ton âge, mais peut-être des plus jeunes, des mineurs, ces affaires-là? Je pense pas en ce moment, j'ai pas assez de temps. Je pense que peut-être éventuellement, ça m'a fait découvrir de quoi que je savais pas que j'allais aimer. Donc ça, c'est pas peut-être de ce côté-là. Je serais plus porté peut-être à coacher des juniors dans le futur, whatever, mais pas des jeunes, j'ai pas assez de temps pour ça. J'ai plein de chums qui font ça en ce moment, là, puis ça prend énormément de temps. Puis... Donc là, tu fais ton retour avec les 3L, les gens t'appellent, tout ça, finalement, tu dis oui. Là, tu dis que tu as joué dans des ligues de garage, mais tu arrives quand même en plein milieu de la saison. Là, ça doit être quand même dur de rattraper le hit. Ouais, ben écoute, je vais être honnête avec toi, là, la première game, pour vrai, j'ai failli être malade avant la game, j'étais tellement stressé. T'sais, je me demandais, ça faisait 2 ans que je n'avais pas vraiment poussé à fond sur une glace, que je ne savais même plus si je patinais vite, j'ai aucune idée. Et que dans la chambre avant la game, c'était stressant. Ben, je regarde les gars, les gars sont en bonne shape. Là. J'étais arrivé, je pense, au 15e, 16e match, puis ça paraît. Je veux dire, surtout dans une ligue comme ça que tu pratiques pas. Oui, c'est sûr que je jouais 2-3 fois semaine, mais pareil, c'est vraiment pas la même chose. Sauf qu'écoute, je suis vraiment, vraiment surpris. Ça a super bien été. Je pense que mes 3 games, je veux dire, j'ai rien à dire. C'est sûr que peut-être côté offensif, je suis peut-être un petit peu ses talons parce que je veux pas trop faire d'erreurs, mais écoute, honnêtement, je me sens super bien. Même que je pense que je suis plus en forme que j'étais quand je jouais régulier. Ouais. Je sais pas. Il y en a pour qui que la COVID, ça a été dur, puis toi, ça a bien fait finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que depuis le début de l'année, je pensais revenir. Fait que c'est sûr, j'ai fait attention à moi aussi. J'ai recommencé à bien manger, à faire attention pour si j'arrivais justement éventuellement, mais que j'allais être prêt. Puis c'est ça qui se passe. Là, fait. Je suis quand même content pour vrai. C'est super, super le fun. Puis là, ben, j'ai parlé à la famille tantôt. Je vais vous le dire en primeur parce que vous parliez des Lions, mais j'y vais vendredi. Je m'en vais là avec mon partner Charbonneau puis Maxime Villemaire et Saint-Cyr aussi. Les quatre, on s'en va jouer vendredi, peut-être samedi. C'est quand même spécial. Ça fait juste 3 games que je suis revenu, mais je pense que c'est une opportunité que je peux pas dire non. Ça va être une belle expérience dans nouvelle aréna et tout. Là. Pas peur. Quand même. Bonne nouvelle. Félicitations. Je viens de revenir, désolé. J'ai-tu de manquer que t'en vas jouer à Trois-Rivières? Ouais, je vais. Ben, tu sais. Un grand gars qui vient de s'allumer, genre. Je voyais les gars qui se faisaient appeler, puis là, j'étais comme, je sais pas si je vais dire oui si je me fais appeler, parce que je viens de revenir, justement, puis là, on s'entend que les gars sont un peu plus en forme. J'enlève rien à la Ligue nord-américaine, mais les gars de l'East Coast, ils pratiquent pas mal plus, ils jouent pas mal plus. Puis écoute, finalement, j'ai parlé à Fabien hier, j'ai parlé à Marc-André Bergeron aujourd'hui, puis... Je vais aller vivre cette expérience-là avec mes coéquipiers, ça va être le fun. C'est une nouvelle aréna, écoute, c'est un nouveau club aussi, fait que je pense que je peux pas dire non, puis ça va me faire du bien aussi de me remettre en forme. Je vais aller pratiquer avec eux jeudi, je vais jouer vendredi, fait que ça va juste continuer un peu ma remise en forme, d'autant plus qu'on joue pas en fin de semaine à cause de l'éclosion. Là, puis, c'est ça. Puis là, j'ai-tu entendu dire que le TIF, il s'entraînait aujourd'hui? C'est ça? Non, il y avait des entraînements privés là, avec des jeunes, puis ça passait un petit peu plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas là au début de l'émission. Il devait revenir peut-être plus tard vers 9h, je pense. OK. Je pensais que tu disais qu'il s'entraînait, lui. Je croyais pas bien. Non, ça.
fallait aller s'acheter un billet de loto, toute la gang. Non, c'est clair. Mais comment ça s'est passé, là? Je pense que c'est Carl Boucher, dans le fond, là, qui est ton agent, si je comprends bien là, que tu parlais. Mais comment que les Lions t'ont approché? Est-ce que c'était d'avoir... il disait on a besoin d'un type de joueur comme toi. C'est comment ça s'est passé? Écoute, ça, honnêtement, je ne sais pas. Tu vas pouvoir poser la question à Fabien tantôt. Je n'ai pas eu les détails. La seule chose que je sais, c'est que vous en avez parlé depuis le début. Il amène des joueurs de plus en plus de chaque équipe à aller jouer avec eux. Puis ils ont vu justement qu'en fin de semaine, notre match est annulé. Excusez-moi. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de disponibilité. Puis si je peux dire, je ne suis pas sûr que Fabien va vous le confirmer, mais je suis pas mal sûr que Garrett Clark et Damour, qui jouent avec nous, deux autres défenseurs, vont jouer pour l'équipe du Maine vendredi. Vous allez jouer contre. On est quatre défenseurs sur six, sur sept des 3L qui va jouer. Puis il y a des attaquants aussi. Fait que ça va être les Lions de Rivière-du-Loup, d'après moi. Ouais, c'est ça, les 3L de Rivière-du-Loup. Bon, ouais, Denis, c'est ça. C'est ça. C'est spécial un peu. Puis, c'est avec, écoute, Marc-André Bergeron m'a appelé aujourd'hui. Puis, il m'a juste dit qu'il trouvait ça super cool que les joueurs, ils se donnent dans le fond, qui disent oui, ils trouvent ça vraiment cool. Puis, pour nous aussi, c'est le fun. Là. Je pense que c'est bon pour notre ligue aussi. Ça prouve juste que, écoute, on est un bon calibre et que les joueurs sont capables d'y aller. J'ai joué dans East Coast 2 ans. C'est sûr que j'ai pas joué aussi longtemps que d'autres gars, mais c'est super de bon calibre. Puis, je pense que n'importe quel joueur dans la ligue nord-américaine est capable de se fondre dans le mood. Là. Fait que, C'est cool, dans le fond, vu que, tu sais, on dit souvent, c'est plate, mais Rivière-du-Loup, vous ne pouvez pas toujours pratiquer. Ben là, au moins, il y a plusieurs joueurs qui vont avoir la chance de filer la glace et de pratiquer. C'est ça, exactement. Vous ne pratiquez pas dans votre équipe, mais... Non, c'est ça. Moi, pour vrai, la game, elle ne me stresse pas tant que ça, mais la pratique de jeudi, un peu, ça fait quand même un méchant bout que je n'ai pas fait une vraie pratique. Fait que j'ai demandé si ça allait être tough et tout, là, puis il m'a dit que c'était bien correct. Fait que c'est ça, mais c'est juste, ça va être le fun, écoute, ça va être une belle expérience. Puis en plus, je connais quelques joueurs là-dedans, tu sais, j'ai joué quand j'étais jeune avec Kevin Poulin, avec Mathieu Brodeur, j'ai joué avec lui au Cap-Breton. Fait que ça va être assez spécial, ça va être le fun. Soirée retrouvaille et Claire Lamarche, donc vendredi en même temps. Exactement. Mais il y a quelqu'un, c'est une question là, que beaucoup de gens se posent, là, parlent du calibre de la ligue nord-américaine, puis de la East Coast. Il y en a qui disent un call-up, il y en a qui disent il ne faut pas dire un call-up parce que finalement, peut-être le calibre est plus fort dans la ligue nord-américaine si les gars s'entraînaient. Puis Vincent Dadois pose la question, si tu fais pratiquer les gars de la Ligue nord-américaine chaque jour, calibre est aussi fort que les Lions, selon moi. Êtes-vous d'accord? Écoute, je crois que ça dépend. Ça dépend des... Écoute, je vais rester politiquement correct. En fait, écoute, ça dépend des gars. Je sais qu'il y a des gars que c'est sûr qu'ils sont super bons dans la ligue nord-américaine en ce moment, puis que s'ils pratiquaient davantage, c'est sûr qu'ils seraient encore meilleurs, puis c'est sûr et certain qu'ils pourraient encore jouer dans la ligue, dans East Coast ou même dans la ligue américaine. On joue comme Laval, Massenauer, je vais lancer des fleurs, mais c'est sûr et certain que ce gars-là, il s'entraîne à chaque jour, pratique à chaque jour, il pourrait jouer dans la ligue américaine. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que c'est sûr que oui, je pense que si un club de la ligue nord-américaine pratiquerait chaque jour, probablement qu'on serait compétitif dans la East Coast. C'est sûr que ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas allé. Ça fait quand même 8 ans. Ça ne me rajeune pas, mais ça fait 8 ans que j'ai joué dans la ligue, sauf que je connais la plupart des joueurs. Je suis pas mal sûr que il y aurait quelque chose à faire. T'sais, vous voyez, dans chaque équipe, écoute, le trois quarts des joueurs ont joué soit East Coast, Ligue américaine, en Europe. Que oui, je suis pas mal sûr. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Oui, dans la Ligue nationale aussi. Moi, je pense que la plus grosse différence, c'est vraiment la mise en forme et tout. Là. C'est sûr que les gars dans East Coast, pour avoir joué dans East Coast, on s'entraîne, on n'a pas le choix. Pratique chaque jour, t'es plus fluide, tes pieds, tu bouges, les passes, c'est crisp, c'est,
c'est plus sévère aussi, si je peux dire ça. C'est, si ça ne fait pas l'affaire, tu t'en vas. Fait que tu n'as pas de deux, troisième, quatrième chance. Il y a tellement de joueurs. Là, c'est sûr qu'il en manque en ce moment, mais il y a tellement de joueurs qui se promènent dans East Coast que tu ne peux pas niaiser. Fait que moi, je pense que ça, c'est la plus grosse différence. Mais oui, je pense que le calibre, honnêtement, c'est pas tant différent. C'est peut-être plus rapide, mais peut-être moins mature, si je peux dire ça, puis moins posé. Il y a un message, là, François Bellefleur, je ne sais pas si c'est pour toi, ça, là, mais Tiff s'entraîne autant que Francis fait des cours de boxe. c'est de la boxe ou tu fais à de faire de la boxe? Ou... Non, non, parce que c'est pas, je me bats pas. C'est le running gag. ça va peut-être venir. On en avait parlé justement au show là, ouais. LNH démystifié. Ouais, 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 ouais. Tu vois, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. C'est un running gag. Peut-être on pourrait faire un événement, première bataille de Francis Meilleur à un moment donné. Pourrait. On le colle avant la game. On pourrait organiser ça là, si tu veux. Là. C'est ça. les gars vont commenter contre qui je vais me battre. Ouais. Mais non, c'est... toi, je vais aller me battre dans... Non, c'est ça. C'est ça. On choisit un match. Je vais aller me battre dans East Coast, puis je vais être correct après. Ça serait plate, par exemple, le premier bataille, mais pas dans la bonne ligne. Là. C'est ça, exactement. Carl Boucher qui ajoute, là, selon moi, les premières, deuxième lignes, n'importe quelle équipe, LNH, sont égales à la East Coast. Troisième ligne, et dixième attaquant, les DEF 5-6, c'est là qui fait que la East Coast peut être peut-être supérieure. Ouais, ouais, ça là-dessus, je suis totalement d'accord. Carl, c'est de quoi qu'il parle, ça fait assez longtemps qu'il est dans la ligue, c'est vrai. Ça fait probablement la profondeur aussi. Moi, dans le temps, écoute, quand j'ai joué pour la East Coast des Rangers à Greenville, je me souviens, j'étais le seul défenseur sur 8 qui n'avait pas de contrat de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale. Et ça fait toute une différence aussi. Là, ta profondeur, t'en as des gars. Fait que c'est sûr que le dixième attaquant, mettons, qui ne joue pas, c'est un super de bon joueur aussi. Là. C'est pas nécessairement des toughs dans les courses. Il y a des toughs qui savent jouer. Mais non, c'est ça. C'est vrai, la profondeur, ça, c'est sûr qu'ils en ont peut-être un peu plus, mettons. Puis on parlait de bataille là, juste avant, mais au même moment, Danick Manouin t'a écrit Salut Francis Meilleur. Donc. vous allez être coéquipier vendredi. Ouais, non, à moins qu'il joue juste mercredi, ouais. Je sais pas. J'aimerais bien ça. Le pire, c'est que on est moi et Danick, on a fait un camp ensemble pour les Bees de Brampton dans le temps. Dans la East Coast. Quand je suis revenu de l'Europe, j'étais allé au camp des Bees de Brampton, puis il était là. Puis ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Moi, puis l'année qu'on a joué ensemble quand on était plus jeunes, trois l'été, puis tout. Puis on est allé, dans le fond, dans la filiale des Canadiens, comme là, on va se retrouver peut-être au Lyon. Fait que c'est quand même drôle, mais c'est ça. Good. On parle peut-être un peu là, du début de saison des 3L, tu as joué trois parties depuis. En fin de semaine, vous avez une victoire, une défaite. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Là? Il y a eu des nouveaux quand même coéquipiers là, qui ont fait. Ben, tu as des nouveaux coéquipiers qui ont fait leur apparition aussi. Maxime Saint-Cyr là, qui fait flèche de tout bois là, depuis le début de la saison. Est-ce que tu pourrais-tu nous parler un peu de tes coéquipiers? Oui. Ben écoute, moi je pense qu'on est vraiment, vraiment proche d'exceller en fait. On n'est pas loin. Il manque peut-être quelques détails, peut-être un peu d'expérience en fin de partie. Si on trouve la façon de scorer des buts, on va gagner des games, ça c'est sûr. La game qu'on a perdue en fin de semaine contre Laval, écoute, c'était 0-0 jusqu'en troisième période. Je pense qu'on a eu trois ou quatre échappés, on a eu des deux contre un qu'on n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Si on avait scoré, c'est sûr que ça aurait changé la game au complet. Moi, je suis certain qu'un ou deux buts en première ou en deuxième, puis on gagnait ce match-là. On n'est vraiment pas loin, on est solide, on a des bons gardiens de but à l'attaque. Écoute, Saint-Cyr, c'est un opportuniste. Il est très, très dangereux dans son adresse avec le puck. Tu le vois, là, à chaque le puck,
il est proche, il shot, puis peu importe l'angle, il l'a entre les patins, en arrière, en avant, il va shotter pareil. Fait que, ça, pour moi, c'est un naturel, c'est un scoreur naturel, c'est un gars qui fait des points. Puis, c'est rare que tu vois des gars comme ça aussi, là, c'est des perles rares, ces gars-là, puis ils dégagent de l'heure, même s'il est pas si gros, mais c'est le fun de voir ça. Il y a Masson qui est venu nous aider, qui était vraiment solide. Ce gars-là, je sais pas s'il va écouter, là, mais je l'ai vu dans la chambre, je pensais qu'il avait 20 ans et demi. Là. Finalement, je pense qu'il a 27. Il est tout jeune, il a l'air tout jeune, il est gros de même, puis écoute, il dégage de l'air sur la glace, il travaille fort, puis ça, fait que c'était le fun de voir ça aussi. J'espère qu'il va revenir avec nous. Sinon, écoute, les autres coéquipiers, la défensive est jeune, mais il y a un bon potentiel. Là, on se rapproche, on est allé chercher Brassard aussi d'un net qui fait une super de belle job, Dessel qui a super bien goalé en fin de semaine. Fait que, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est sûr que c'était une grosse reconstruction à Rivière-du-Loup aussi comparativement aux autres équipes. Fait que, ça prend du temps, c'est une adaptation, la Ligue. Là, on en parle souvent, tu rentres dans la Ligue, tu es en Europe, tu fais des points en plus finin, tu arrives dans la Ligue, c'est un peu plus tranquille, mais c'est pas le même style de jeu, ça frappe un peu plus. C'est un peu plus posé, comme j'ai dit tantôt, c'est plus calme. Fait que c'est comme dur des fois pour des gars à s'adapter. T'sais, quand tu sors on a des défenseurs de 21 ans, je veux dire, tu sors du junior majeur, que tu pratiques, tu es dans le tapis tout le temps, puis tu arrives, puis là, les gars, justement, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas joué, je suis arrivé, puis j'ai été quand même adapté. Fait que c'est juste une ligue qu'il faut que tu t'adaptes, que tu apprennes à jouer, mais je pense qu'on n'est pas loin. Là, ça s'en vient. Les DG ont fait une belle job. Ben, tu sais, j'ai vu deux de tes trois premiers matchs. Puis je pense que, tu sais, les deux matchs contre Sorette, dans le fond. Puis je pense que ton arrivée, je pense que ça a quand même beaucoup stabilisé parce que c'est ça qui manquait un peu de la profondeur à la défensive. Puis d'avoir comme un gars comme toi sûr qui arrive, je pense que ça comblait de quoi. Puis je pense que les trois games que vous avez joués, c'est sûr que vous l'avez échappé un peu en troisième contre Sorel, la Rivière-du-Loup et contre Laval. Là. Mais tu sais, comme contre Sorel, à Sorel, vous avez été capable de la jouer au complet, tu sais, la game à la défensive. Puis je pense que ça paraît que vous êtes beaucoup plus solide défensivement. Puis que, tu sais, comme tu as dit, là, il en manque pas gros. Là. Je pense que... Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, j'aime croire que ça apporte peut-être une certaine expérience, confiance peut-être aux autres défenseurs aussi que je sois là. Tu sais, je sais pas à quel point j'ai un impact sur eux, mais tu sais, je sais que ça a quand même bien été. Les trois games, j'étais là, honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'on a quand même super bien joué. La troisième période nous a fait mal dans deux des trois games, mais on n'est pas loin. Là. C'est juste d'amener une certaine maturité peut-être à notre défensive, de ne pas faire justement l'erreur qui va partir l'autre équipe en troisième période. C'est juste de rester constant, toute la game, puis on va être correct. Là. Il y a Carl Boucher on parlait de Brampton tantôt, qui dit « Frank, ton cac le beast avant d'aller à Peoria, quand je t'ai dit que c'était beau, très beau Peoria. » Il veut que je le compte. Si je pouvais effacer sur mon Elite Prospects, rien enlever aux gars qui ont joué dans la SPHL. Là, mais là, je vais raconter vite l'histoire. Là, dans le fond, quand je suis allé au camp des Beasts, je revenais de l'Europe, puis je me suis dit, je vais aller là-bas. Finalement, écoute, après le camp, j'ai parlé au coach. Il voulait me mettre sur une espèce de 28 jours liste des blessés parce qu'on avait trop de gars. Puis il m'a dit d'être patient. Puis je l'ai rendu là. J'ai dit, écoute, je vais m'en aller. Je vais aller semi-pro. Sauf que, comme tous les joueurs qui se font repêcher à Rivière-du-Loup-Jonquière, c'est trop loin, ça ne me tente pas d'y aller. Fait que moi, ce que j'ai fait en pensant que Carl allait mort à l'hameçon, je me suis dit, je vais retourner aux États-Unis, puis il va m'échanger parce qu'il va bien voir que je ne veux vraiment pas y aller. Fait que j'ai appelé Nicolas Riepel, qui est un de mes chums, qui est agent aussi. Fait que j'ai dit, écoute, trouve-moi une place dans SPHL. Comme ça, Carl, il va faire en sorte qu'il va se dire, écoute, il s'en va pro, il va bien. Je vais l'échanger, il y a une valeur, puis tout. Puis finalement, il m'a juste texté après deux games, puis il m'a dit, puis commencer la SPHL avec des sourires, des gars qui, tu sais, des genres de bonhommes qui pleurent, puis tout, puis il dit, pis tu veux-tu revenir, là? T'es-tu avec le...
J'étais comme, bon, ben, mon chien est mort, fait que je suis revenu, puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller jouer ma première game semi-pro, puis j'ai jamais quitté Rivière-du-Loup depuis. Fait que, dans le fond, Carl fait très bien sa job. c'est ça. Il faut qu'il fasse ça, les gars, c'est tout le temps question de, ah, je veux jouer proche, je reviens chez nous, je suis tanné, je veux plus faire de voyagement, tu sais, mais quand tu vas goûter à Rivière-du-Loup, à Jonquière, tu pourrais avoir entendu parler de Jonquière, c'est des places quand même incroyables. Je veux dire, je pense que c'est les places que les gars sont le plus proches aussi parce qu'on voyage beaucoup et on est tout le temps ensemble. Fait que t'as comme un peu l'aspect boys des États-Unis de l'Europe, mais au Québec. Fait que c'est quand même le fun. Puis honnêtement, je le dis, là, je ne jouerai pas nulle part d'autre. Si je me fais échanger, ça va probablement être ça. Là. Fait que... Ouais. Ben, un beau statement, ça, Francis. Je pense que la plus belle preuve, je pense que Rivière-du-Loup, c'est comme ça. C'est le nombre de gars pendant le COVID que tu sais, c'était comme ah, je reviens, tu sais, je pense Tourigny, Villemaire, toi, c'était tout comme ah ouais, je pense que je prends ma retraite tout ça, puis là, la saison commence, puis tu sais, vous êtes comme tout revenu un peu. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. T'sais, quand j'ai vu que les gars venaient petit peu par petit peu, ça m'a fait de quoi, puis ils m'appelaient. Ils m'appelaient dans leur ride de van en revenant des games, puis ça criait dans la van, puis là, j'étais comme, ah, tu sais, je m'ennuie de ça, puis c'est ça, toutes les folies de la van et tout, fait que j'étais comme, écoute, je vais y retourner, je vais aller essayer, puis écoute, ça a donné ce que ça a donné, ça m'a redonné la piqûre du hockey, puis je suis encore capable, fait que pourquoi pas. Good. Ouais. Parlant de statement, il y a aussi un de tes coéquipiers, Maxime Villemaire, qui en a fait un, qui devait monter son jeu d'un cran. C'était aussi dans une passe là, où les 3L avaient un petit peu plus de difficultés. Quand tu vois un coéquipier comme ça là, qui fait preuve de leadership, c'est quoi que ça te parle à toi? Ben écoute, c'est sûr que Max, moi et Max, on est pas mal baveux entre un et l'autre, fait que je veux pas trop y envoyer de fleurs, là, mais écoute, c'est un grand leader, Max, puis il est très honnête envers lui-même, il triche pas, tu sais, il sait, écoute, tu sais, je pense pas qu'on en est rendu là avec Max, il fait quand même sa job, c'est juste que, tu sais, il essaie de peut-être mettre un peu l'équipe sur ses épaules pour nous laisser un peu d'espace. Écoute, ça, c'est les gestes de grands leaders, c'est sûr. Encore une fois, ça montre juste à quel point les gars sont attachés à l'équipe, puis à quel point on a une belle chimie d'équipe. C'est sûr, c'est rough sortir des médias, puis se caler soi-même. Là. Donc, chapeau à lui d'avoir fait ça, puis ça prouve juste à quel point on n'est pas loin, la chimie est là, les gars s'aiment, puis je pense que... On s'en va dans la bonne direction. C'est un tough début de saison, mais encore une fois, il n'y a pas d'excuse, mais c'est une adaptation pour une jeune équipe, pour une équipe qui a été quand même reconstituée, si on peut dire ça. Là, y a la défensive surtout. Fait que, ça s'en vient. Les jeunes, tu vois, de plus en plus sont plus à l'aise. Puis, des gars comme Damon qui ont peur de rien. Écoute, il y a 21 ans, moi, ça me fait capoter, là, rentrer dans une ligue comme ça. Puis, 21 ou 22, je suis pas sûr, mais c'est un gros bonhomme. Il a peur de rien. Il s'est pogné contre Tamel. Je sais que c'était pas voulu, mais le gars est allé pareil. Fait que, ça prouve juste qu'on a les éléments pour que ça aille bien. Ben, pour vrai, ça fait quelques fois que je vois jouer d'amour, puis je l'ai vu jouer vendredi, puis j'étais comme, man, pour vrai, ce gars-là, on dirait, ça fait genre 7 ans qu'il est dans la ligue. Vendredi passé, j'étais comme, tabarnouche. Il est vraiment. Tu sais, on est qu'à moitié de la saison, là, mais il y a quand même une belle progression à une moitié de saison. Ah, c'est clair. Je ne l'ai pas vu avant, mais j'avais entendu dire qu'il avait un très bon potentiel, puis tu le vois tout de suite. Là. Quand il embarque, défensivement, il est très, très solide. On tue des punitions souvent ensemble aussi. Là. Fait que, il est confiant, puis écoute, à son âge, c'est quand même spectaculaire. Je pense pas que j'aurais été capable de jouer à son âge dans la ligue. Ben, c'était différent dans le temps, mais même à ça, je veux dire, tu joues contre Paquette. Je vois des Paquettes parce que je pense que c'est le meilleur exemple. T'as 21 ans, tu vois un gars comme Paquette sur la glace, t'entends sa réputation, des fois, tu te sens un peu petit, mais écoute, puis ils font très bien ça, puis c'est ça. Ouais, Yannick Gagnon aussi qui mentionne là, le jeune Paradis, Joachim Paradis aussi, un gars qui n'a pas peur d'aller ailleurs. Là. Mm-hmm. J'ai entendu des belles choses sur lui, malheureusement, j'ai pas joué avec encore, j'ai
J'ai pas eu la chance de le côtoyer, mais lui aussi, même Carl Boucher m'en a parlé, très, très bon potentiel. Il y a Drolet aussi qui est très, très jeune, puis que tu le vois sur la glace, je veux dire, il monte le puck. Comme je vous dis, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Puis pour le futur des 3S, c'est super bon aussi parce qu'ils vont avoir une solide défensive, ça, c'est sûr, là, dans les prochaines années avec une relève comme ça. C'est rare, justement, dans LNH, que tu es une relève que tu peux construire, que tu peux entraîner dans un sens, puis là, ils l'ont. Fait que c'est très bien. Puis je trouve ça drôle, tantôt, t'as dit Masson est arrivé, il y en a 27, il a l'air d'avoir 20, mais Damo, il y a 21, il a l'air d'en avoir 30. Ouais! Ça dépend des gars, tu sais. C'est ça que c'est. Écoute, je me souviens, moi, quand j'ai vu Mike Novosad aussi pour la première fois, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu Novosad avec sa chevelure, sa barbe. Écoute, on dirait qu'il sort d'un film. J'étais comme, tu sais, il doit avoir fin vingtaine. Finalement, il y avait 36, 37. J'étais comme, ça dépend des gars. Mais ouais, Damo, moi, je pensais pas qu'il avait 21 ans quand je suis arrivé. Je l'ai vu dans la chambre. J'étais comme, c'est bon, il est gros, ce gars-là. Puis quand il y en a un, il me dit, oh, il a 21 ans. J'aurais aimé ça à 21 ans, avoir sa shape. En fait, j'aimerais ça avoir sa shape tout court, mais c'est ça. Ok, Francis, en terminant, peut-être là, dire un petit message à Fabien là, qui est dans la salle d'attente. Là, peut-être. Ben écoute, moi, Fab, je l'ai connu il n'y a pas long, puis ça a l'air d'un mesh. J'aime mieux pas. Écoute, chose qui se passe là-bas, j'en parle pas, Fabien. Mais non, écoute, c'est un sale bon gars. J'ai eu la chance de prendre un verre avec après la game de samedi. Puis, écoute, DG à son âge aussi, c'est quand même spécial. Tantôt, je disais que je coachais des gars de mon âge. Ben, il a 28 ans, il a plus de cheveux, mais il a quand même 28 ans. Fait que le gars, c'est lui qui le marre dans c'est ça, c'est lui qui le marre. C'est ça, on parle souvent de nos cheveux, mais c'est ça, tu sais, il est super gentil, il fait bien sa job, puis à 28 ans, je pense pas que j'aurais été capable d'être DG d'un club de la Ligue nord-américaine, surtout coach en plus. Il fait bien ça, pour vrai, moi, quand il m'a parlé, ça a super bien été. Écoute, je suis pas inquiète pour le futur des 3L avec lui, ça c'est sûr. T'sais, à son âge, avoir autant d'expérience dans senior 3 et tout, c'est super. Fait que... Ah ben maintenant que tu as fait le roast, on va le rentrer. Je me demandais si tu allais mettre une casquette, mais. M'entendez-vous? Ouais, ben un peu. On dirait que tu es dans une piscine un peu en ce moment. Ouais, c'est un peu en sourdine, là. Ouais. T'as pas des écouteurs non plus d'iPhone, mettons? Il dit, on m'entend. Parle donc, Fab. Ouais. Puis, nous entends-tu? Nous entends-tu? On peut faire un test, peut-être, Fabien? À un? À deux? Deux fois? Trois fois? Je parle pas. Je pense pas qu'il nous entend. Donc, la technologie, on est là. On regarde qu'est-ce qui se passe dans la petite fenêtre en bas à gauche. Tu m'entends-tu? Ouais. Ah oui, wow. C'est bon. Moi, je l'entends, mais moi, je ne l'entends pas. Pas vrai? C'est pas vrai, là. Un autre client. Il y a Windows 92, son ordi. Ah, c'est ça. C'est pas très pratique. Avec le sel aussi, peut-être. Les DG ont ça, des DG. DG. Mathieu Ricard qui dit « Bon DG, mais ouf, la technologie moins facile, mon femme. » T'as-tu des écouteurs, Fab? Je vais prendre mon téléphone.
Donnez-moi 2 minutes, les boys. C'est bon. Je vais vous joindre. C'est good. Sinon, en attendant, on parle de quoi? Une petite anecdote, quelque chose de même à tout. Petite anecdote. C'est pas une anecdote, tu vois, de ton retour peut-être. Il t'est arrivé de quoi quand t'es revenu dans la chambre la première game? Ouais, ben écoute, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je suis quand même baveux dans une chambre d'hockey. Je suis un peu reconnu pour ça. J'en prends beaucoup aussi. Je suis un peu ce gars-là. Puis quand on fait le starting five avant game et qu'on annonce les 5 gars qui embarquent sur la glace, moi, je me fais tout le temps huer. Puis à chaque fois qu'on nomme mon nom, je me fais huer solide. Là, c'est bouh puis tout. Mais écoute, la chambre est pleine de nouveaux gars. Là. T'sais, moi, ils me connaissent pas pantoute. Fait que là, le gars, il nomme mon nom. Et là, tout le monde se met à huer. Les nouveaux sont là. Il se demande, il était là, c'est bon, il l'aime pas, tu sais, tout. À maison. Juste dans la chambre, là, mais ouais. Tu sais, c'était pas mal drôle. Il y a un gars, il vient voir, il dit, t'es-tu en chicane avec quelqu'un? Je dis, non, ça n'a pas rapport. Mais, c'est là, on revient, même le coach, Eric, écoute, il était sur le cul, il comprenait rien. Il est allé chercher Tourigny, puis il dit, écoute, c'est normal. Tourigny dit, oh, écoute-toi pas. C'était pas drôle, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Les joueurs qui ne savaient pas encore, là, non, qu'est-ce qu'ils avaient à savoir surpris, sur... Ouais, ça, tu vois, ça part avec Villemaire encore. Là. C'est, Villemaire, il a l'air bien doux et tout, là, mais c'est un bon troublemaker. Ouais, ça, sur la glace, là, en fin de semaine, encore une fois, on dirait qu'il faisait rien et le monde était après lui. dans une chambre, il est-tu de même aussi? il est moins épais. C'est un gros nounours. C'est bien émotif, le gros Max, mais tu sais, sur la glace, c'est un personnage, je peux dire, il change totalement. Puis, tu sais, je parle, écoute, autant que le monde, il crie après, le monde adore qu'il soit là. Tu sais, les fans sont pas contents, ils crient après, mais sont tous fans de lui pareil. Là, tu sais, il amène une espèce de show, puis c'est son rôle. Là, il est fatigant. Les games, ils durent 15-20 minutes de plus des fois, je sais cause de lui. Fait que, Fabien de retour. On m'entend-tu, là? Ouais, tout est bon. Oui. Moi aussi, je vous entends, ça va mieux, là. Tu peux-tu mettre ton sel sur l'horizontale? On verrait mieux. Yes, parfait. Cool. Pas pire, ça? All on n'est right. Pas pire? C'est parfait, on est good. Écoute, j'ai pas de l'expérience en podcast comme le TIF, là. j'ai pas commencé à faire ça pendant la pandémie. Il y avait une question dans le chat, par exemple, du cousin Mathieu Ricard qui demandait si tu faisais souvent des trades par Zoom. Sûrement pas, hein? Une chance. Mais je commencerai pas non plus. Puis il rajoute ton bureau, c'est-tu un bureau du Marquis? Je pense que là, tu as du verre en arrière dans ta cuisine. Ouais, puis j'ai une photo des frères Malouin aussi sur mon mur. Ah ouais? Ouais, mais avec une cible. Avec une cible dessus. Gros fléchette. Avec une cible, avec toutes les dates qu'on joue contre Jonquière. De toute façon, c'est correct. Frank a dit qu'il se pognait Danick à la prochaine game tantôt. Et là là. Ouais. C'est nous autres qui donnent le go, hein? C'est nous autres, il faut qu'ils donnent le go. C'est pas dans mon contrat, ça. C'est pas dans mon contrat. Okay. C'est toi qu'il faut parler si on veut organiser un événement, la première bataille de Francis Maillard. Bon, on va le laisser jouer contre les meilleurs trios adverses, je pense, qui est plus utile. OK. Merci Fab. Très bien répondu. Ben, merci Francis. On va continuer avec Fabien. On a des questions pour lui. Et probablement aussi les gens qui nous écoutent aussi. Donc, on va te souhaiter une bonne fin de saison. Merci beaucoup, les boys. Ouais. Puis, ce fut un grand plaisir. On s'en va bientôt. Merci d'être venu. Puis, merci de ton temps. C'est toujours un plaisir. Yes. Moi aussi, je vous dirais salut à Tiff de ma part. Yes, sir. Salut. Bon. Ciao, ciao. Salut. All right. OK.
Fabien, comment ça va? Ben, ça va mieux que là 2 minutes. on peut dire ça. C'est une belle entrée en matière quand même. Non, c'est correct. Je voulais vous montrer que j'ai des talents, mais j'ai aussi des parties de ma vie qui vont un peu moins bien. Puis la technologie, ça en a fait souvent partie, malheureusement. Good. Sinon, donc, tu es nouveau DG là, des 3L. Tu étais quand même là, assistant au directeur général Carl Boucher. Mais comment tu trouves ça là, à date, là, ton expérience? C'est-tu du nouveau pour toi là, ou ben, tu savais un peu comment que ça se passait? Ben, en fait, c'est sûr que j'ai appris quelques rudiments de la ligne nord-américaine là, à côté avec Carl, là, c'est sûr, mais c'est sûr que j'ai quand même un 6 ans là, d'expérience au niveau senior 3A. Mm-hmm. J'ai une tête de gestion, je travaille en gestion depuis que j'ai 21 ans également. Fait, c'est sûr que c'est pas nouveau pour moi, mais disons que je m'attendais peut-être pas à avoir un poste comme ça là, aussitôt dans une saison, surtout durant une saison. Donc c'est sûr que ça c'est des apprentissages. On travaille en communauté, j'ai des personnes qui m'épaulent aussi. Puis pour l'instant, on peut dire que ça va quand même bien. C'est un peu en lien avec ma première question, je me demandais parce que tu sais, pendant l'été. Carl Boucher l'avait dit qu'il revenait juste pour être comme un conseiller spécial là, pour aider justement pendant que les 3L étaient un peu en transition au niveau des DG. Est-ce que c'était prévu qu'il quitte quand il l'a quitté puis que ça tu sais que ça allait un peu vers toi ou il vous a pris par surprise un peu puis c'était comme ah, OK, il a décidé que là il était en fond. Ben, tu sais, Carl a donné beaucoup à cette organisation là, tu sais, il a amené un championnat, il a bâti une équipe puis on a une liste de protection qui est excellente. On a une équipe aussi là qui a une certaine reconstruction, mais qui est quand même mûre à gagner des matchs de hockey. Mais Carl, oui, c'était un petit peu une surprise là quand il nous a annoncé là, qu'il quittait. Par la suite, ben les propriétaires ont dû se revirer de bord puis voir c'était quoi les options qu'il y avait à l'interne et à l'externe. Puis finalement, j'ai eu le poste par intérim pour le reste de la saison. Fait que j'ai quelques mois quand même pour montrer mon savoir-faire, mais en même temps, le rôle d'un directeur général, tu n'évalues pas ça sur quelques mois, dans le sens que tu sais, tu as des repêchages, tu as des transactions, il y a de quoi bâtir aussi. Puis, j'ai certaines facettes de ma philosophie qui rejoignent beaucoup Carl, d'autres un petit peu différentes également, mais tu sais, j'arrive quand même avec une belle liste de protection, une belle banque de choix repêchage. Puis, au niveau de la glace, là, on a quand même une excellente équipe aussi. Là, on a fait quelques changements, mais. C'est un peu comme Francis disait, je pense qu'on est à pas grand-chose d'être compétitif soir après soir dans cette ligue-là. Mm-hmm. Tantôt, Francis disait que tu étais à ton âge d'être DG. T'as quel âge, au fait? 28 ans, ressenti 42. Donc, ça ressemble à ça. Puis t'as 6 ans d'expérience. Tu étais avec la climatisation Trois-Rivières 103, c'est ça? Oui, en plein ça. Dans le fond, à 21 ans, après ma carrière là, au niveau du hockey, là, je me suis lancé dans le recrutement. Puis quelques mois par la suite, là, quelques mois plus tard, ben, j'ai parti de rien. En fait, une équipe d'expansion au niveau de la Ligue Saint-Léon 3 du Québec là, suite à un déménagement de l'équipe du Cap-de-la-Madeleine. Fait que j'ai bâti une organisation de A à Z, que ce soit au niveau de la glace et hors de la souci. Fait que tu sais, c'est sûr que j'ai pris de l'expérience à vitesse grand V. J'avais pas le choix. Moi, j'aime ça les défis, mais j'ai décidé que ça en était un peu pire. Ouais, quand même. Félicitations. Merci. Donc, tu as parlé un petit peu de ton entrée en poste là, dans la première question, des acquisitions que tu as dû faire. Il y avait une petite question dans le chat là, du cousin Mathieu Ricard qui disait... Ah non, pas celle-là. Ça va être la même réponse. As-tu des nouvelles dans le dossier de Sam Lévesque et du Sheriff McMorrow? Ben, Sheriff, c'est drôle que la question vienne. Là. On s'est parlé ce matin, donc on ne ferme pas la porte à un retour à court terme dans son cas. Dans le cas de Sam Lévesque, là, plusieurs partisans en parlent. Ils l'ont vu à l'aréna il y a 2-3 semaines. Il est venu voir les gars, tout ça. Il a dit que ça lui manquait. Donc,
Le retour de Sam, il n'y a pas de date précise, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Sam Lévesque nous a démontré de l'intérêt à revenir lorsque sa saison de travail va être complétée. Donc, pour le côté de Sam, peut-être un cadeau de Noël, de quoi dans ce genre-là. Là, on aimerait ça, on aimerait ça avoir une bonne annonce pour nos partisans, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que présentement, on aimerait ça amener du support à Bombay qui fait un bon travail depuis qu'il est avec nous, mais aussi du renfort, là. Ça, je pense que ça l'amènerait un vent de fraîcheur, puis 2 pouces, 15 livres de plus à chacun de nos joueurs là, de rajouter un Sean McMorrow, un Samuel Lévesque. Mais présentement, la beauté de tout ça, c'est qu'on a la priorité de négocier avec eux autres, ils sont sur notre liste de protection. OK. Donc, pour les gens qui se demandaient, là, c'est des questions qui reviennent souvent. Puis, Sylvain, ouais. Sylvain, ah tu oui! Dis... même, je trouve hein. qu'ils reviennent souvent, mais c'est normal, tu sais. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui dit Lévesque, McMorrow, quand est-ce qu'ils reviennent? Ou... Je dirais, je ne suis pas le gars qui est le plus souvent sur Facebook à regarder les forums et tout ça, là, mais c'est très rare que je me promène dans le centre premier texte sans que la question me soit posée. Ah, bon. Mais que, c'est correct, en fait, c'est que les gens sont passionnés, puis j'espère juste pouvoir leur amener une bonne nouvelle, mais Sam Lévesque n'a pas fermé la porte à jouer cette année, en fait, même, il nous a démontré de l'intérêt. Fait que, tu sais, soyez patient. Puis Sylvain Thibault qui demande aussi, vas-tu signer David Godbout? Non, je sais qu'il nous reste une bande de noms là, au stylo feutre là, dans la boîte des trainers, mais on va oublier ça. C'est correct. Bon. David fait un bon travail dans le Seigneur 3, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça en passant, là, mais David, je vais souhaiter la meilleure des chances à Saint-Hyacinthe. OK. Donc, tu as parlé aussi, Dave est de retour. Dave, ça marche, là, Dave? Il y a même problème que moi. Excusez-moi, là, il est... pas juste Fabien qui a des problèmes techniques à soir. Payez vos billes, les boys. Payez vos billes. Mais tu parlais tantôt, là, Fabien, que vous prenez en ce moment des décisions en comité. Tu sais, des fois, là... On a de la misère à se faire une tête, les directeurs généraux. On se dit, ils sont assis sur une chaise, prends le téléphone, fais des échanges. Mais c'est quoi travailler? C'est pas un one-man show, c'est quoi travailler en comité? Ben, en fait, j'ai toujours travaillé comme ça. On est plusieurs gens dans l'organisation. Dans ce cas-ci, j'avais clairement besoin d'aide au niveau administratif. Donc, tu sais, les propriétaires m'aident beaucoup à ce niveau-là, dans le sens que, tu sais, il y a une réglementation administrative, de la paperasse, qui était des nouvelles choses dans cette ligue-là. Tu sais, j'avais déjà des patterns, j'avais déjà des choses à faire dans l'ancienne ligue, mais là, dans cette ligue-là, j'avais des choses à apprendre et faire rapidement en cours de saison. Donc, c'est sûr que ce côté-là, le comité est très utile, mais en même temps, tu sais, je suis habitué de travailler avec Eric Haley, là, depuis 3 ans. Donc, c'est certain que, tu sais, il y a de l'expérience de la ligue. Moi, je connais beaucoup les joueurs, là. C'est notre liste de protection. Je connaissais quand même la majorité des joueurs, quel genre de joueurs que c'est, où ce qu'ils sont présentement, tout ça. Mais, tu sais, moi, puis Eric, on travaille beaucoup. On regarde des clips, on regarde des games, on fait ça ensemble en même temps, tu sais, puis ça nous permet justement de voir, bon, ce genre de joueur-là, c'est peut-être un ingrédient qui nous manque chez nous. Puis c'est quoi? C'est évaluer nos besoins. Fait que, tu sais, c'est travailler en comité, c'est comme ça pour nous, là, tu sais, puis on essaie d'avoir un peu le pouls de la chambre également. Tu sais, Francis en a parlé tantôt, là, mais on a vraiment une bonne chambre, puis les gars sont heureux de jouer à Rivière-du-Loup, puis ils veulent avoir du succès avec ça. C'est intéressant parce que c'est déjà difficile d'amener des gars jouer à Rivière-du-Loup parce qu'on est éloigné et on a une situation particulière que les gars, quand ils sont là, c'est le fun qu'ils soient contents d'être là. Tu sais. Ouais, ça, Francis en a parlé aussi, les équipes éloignées. Des fois, c'est un petit peu plus dur peut-être pour vous, Jonquière, d'avoir des oui de la part des joueurs là, de venir jouer. Mais, mais parlant là, de repêchage, Denis Arsenault qui demande... Est-ce que tu entrevois déjà le repêchage 2022 ou est-ce que c'est trop loin en ce moment? Ben, en fait, c'est toujours trop proche. C'est jamais trop loin. C'est en fait le rôle d'un directeur général, que ce soit dans n'importe quelle ligue
c'est d'être 12 mois par année à l'affût de c'est quoi les joueurs qu'ils peuvent avoir de disponibles pour la prochaine saison, pour la prochaine journée, pour la prochaine semaine. Fait que, oui, on est déjà en préparation, sans savoir même si j'ai quand même un contrat qui se termine à la fin de l'année, dans le sens que je suis quand même par intérim, mais je me dois quand même dans mon travail d'être prêt à un repêchage. Donc oui, on est déjà en train de travailler là-dessus, M. Statisticien. Est-ce que tu vas voir des matchs là, un peu peut-être de Junior 3 ou des clips? Ben, tu fais des recherches là, un peu des joueurs que tu pourrais amener là, qui sont dans des ligues en Europe, qui sont sortis du junior? C'est quoi que tu regardes présentement du côté-là? Ben, je suis quand même bien positionné ici là, à Trois-Rivières, que j'ai la chance d'aller voir les Patriotes, le QTR, puis les équipes qui viennent jouer contre également. Fait que pour ça, au niveau géographique, c'est quand même intéressant. Puis, j'ai la chance d'avoir les Cataractes ici à Shawinigan, qui a des équipes visiteuses qui viennent également. Fait que ça me permet de voir du scouting live. Ça, c'est toujours le plaisant de voir des matchs live, puis voir pas juste à la télévision. Fait que c'est pour ça, au moins, ça facilite ma job. On a les Lions aussi là, qui nous permet de voir des gars qui sont sur des listes de la ligne nord-américaine, des gars aussi qui pourraient avoir de l'intérêt à jouer dans le futur. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de notre travail qui se passe par des clips qu'on regarde, mais également ici avec ma réalité géographique, ça me permet d'aller voir des games live, ce que j'aime beaucoup aussi. Une question en chat qui m'interpelle un peu parce qu'on a vu ce qui s'est passé vendredi, mais il y a Émilien Rioux qui dit comment va notre capitaine en parlant de Chabot? On a des capitaine, nouvelles. Capitaine, non, c'était vraiment pas le fun. Puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça soir après soir, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour ceux qui font ça de temps à autre. Puis tu sais, on perdait 1-0 là, à Sorel là, quand c'est arrivé. Puis, tu sais, Chabot, son plan A, c'était d'amener de l'énergie. Il a réussi à amener cette énergie-là parce que les gars, après ça, ils ont voulu jouer pour lui. Là. Mais, tu sais, c'est pas le fun de voir ça. Puis, Chabot va bien. C'est moi qui l'a drivé après le match. On a eu la chance de se parler de comment il voyait ça aussi. Puis, tu sais, il va quand même bien. Tu sais, JP, c'est un gars qui est dur avec son corps. Là, on va se le dire, c'est un vrai. Il y a plusieurs blessures aussi. Là. C'est pas, la tête, ça en est une avec suite à ce contact-là, mais il y a aussi d'autres blessures. Là. Fait que, la semaine qu'on va faire fin de semaine, ça peut lui faire du bien. Là. Ouais, ben le vendredi d'avant, il s'était fait frapper par paiement, puis il avait manqué comme une moitié de période aussi. Là. Ouais, disons que la semaine passée, c'était sûr qu'il pouvait pas jouer là avec le protocole le samedi, puis probablement qu'il aurait pas joué vendredi non plus là, par mesure préventive. Puis, on n'y est pas avec la tête. Puis tu sais, c'est un gars qui est, je vais peser mes mots, il est plus âgé dans le sens qu'il il va moins faire le fou avec sa tête. On va vraiment prendre le temps puis dire, tu sais, un jeune fringant de 21 ans, des fois il va dire ah crime, bon, je suis correct, mais quand il va en avoir fait 8, rendu à 35 ans, ben, il va le regretter. T'sais, Chabot, j'ai besoin de ma tête pour travailler. Puis, tant aussi longtemps qu'il ne sera pas à 100%, ben, il ne reviendra pas sur la glace. Puis, ça passe par notre médecin, puis également par JP aussi qui connaît bien son corps. Oui, je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis, ouais, je pense que c'est sûr que tu ne veux jamais voir ça, mais c'est sûr qu'au nombre de shots qui bloquent d'une game. D'avoir une couple de semaines de congé, ça va lui permettre de guérir un peu d'autres affaires aussi, j'imagine. Des guerriers comme ça, t'en prendrais 20 dans une équipe, t'as le droit d'en habiller 19. Fait que, tu sais, je peux te confirmer que c'est un guerrier de premier ordre. Bon, y a personne qui doute de ça, je pense. Fait que dans son cas, ça va être de peut-être regarder là, au day-to-day comment ça va, puis vous allez évaluer là, plus tard s'il est apte avec. Le médecin, tout ça, tu vas t'asseoir probablement avec lui, avoir un petit talk pour regarder là, s'il est prêt pour un retour au jeu. C'est comme ça que ça va se passer. 100%. Puis, tu sais, JP, depuis que je t'en passe, on se parle à tous les jours. Tu sais, moi, j'ai toujours été proche de mes capitaines dans le passé, puis ça change pas. Chabot, c'est un excellent capitaine, puis j'espère juste qu'on va le revoir rapidement, mais tu sais, somme toute, il va bien. Là, il n'est peut-être pas prêt à jouer un match ce soir, là, mais il sent bien, puis on est chanceux, en fait.
Ouais. C'est quasiment un peu un blessing in disguise qu'on dit là, que tu sais, finalement, les games en fin de semaine sont annulés. Il y a juste une game la fin de semaine, du temps des les deux fins de semaine du temps des fêtes. Fait qu'il en manquera peut-être pas tant que ça en plus. Là. Non, puis tu sais, les gars sont allés chercher beaucoup d'énergie de ça après cet événement-là vendredi. Puis, il nous a manqué samedi à domicile. T'sais, déjà, on a beaucoup de blessures. Là. On ne se cachera pas. Là. Michael Ward jouait sur notre premier trio. Fait que, habituellement, c'est mon premier défenseur. Fait que, on était amochés. Mais on l'aurait pris dans l'alignement. Puis c'est son énergie. Puis qu'est-ce qu'il peut nous apporter aussi dans un match plus serré? Ben, on l'aurait pris. Mais au bout du compte, ce qui compte, c'est sa santé. Puis on espère juste le revoir bientôt. Mais au moins, on est content de voir qu'il va quand même bien. Il y a quelques questions là, qui dans le chat là, à propos peut-être d'amener des joueurs. Stéphane Caron qui dit « Kevin Gagné est-il dans les plans cette année à Rivière-du-Loup? » Ben, en fait, il est dans les plans dans le sens qu'on a de l'intérêt, on aurait de l'intérêt à l'avoir avec nous. Tu sais, il y a des contacts qui sont pris avec l'organisation de façon quand même assez régulière avec lui. Est-ce que Kevin Gagné va disputer des matchs avec nous cette année? Le seul qui a la réponse, c'est Kevin Gagné. La bonne nouvelle, c'est qu'il est actif au niveau hockey. Puis il est sur notre liste de protection. Fait que, c'est deux choses au moins qui militent en notre faveur, on va dire ça comme ça. Fait que, tant aussi longtemps qu'il continue à jouer des matchs de hockey, bien, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt à jouer au hockey. Pour la suite, bien, l'organisation, on va essayer de faire le travail nécessaire pour l'amener avec nous. C'est sûr que ce serait une prise majeure. Là. Il y a Julie Miville qui demande là, dans le chat, est-ce que tu vas aller voir le 3L de Trois-Rivières vendredi? Ouais. Okay, mais j'ai le tiers de mon équipe qui va jouer dans East Coast vendredi. Oui, il y a des bonnes chances que je sois là. Surtout, c'est chez nous. Puis, finalement, je n'ai même pas été voir un match live des Lions. Je vais voir Universitaire, je vais voir Junior Major, mais je n'ai même pas eu la chance d'aller voir J'allais voir un match, je t'allais voir le camp, le pré-camp, tout ça. Tu sais, j'allais voir parce que ça fitait dans mon horaire, mais avec notre calendrier quand même éreintant de la Ligue nord-américaine, j'ai même pas eu la chance d'aller voir un match live. Tu sais, j'ai regardé des matchs, des clips, tout ça, mais oui, c'est sûr, il y a des bonnes chances, des très fortes chances que j'aille voir ça. Puis, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, il y en a quatre qui jouent pour les Lions, puis il y en a deux qui vont s'affronter de l'autre côté. Fait que, tu sais, en même temps, nous autres, on est quand même content de ça d'un sens que les gars vont rester actifs puis on n'a pas de match en fin de semaine puis on sait que c'est une ligue qui est compétitive puis être deux semaines sans toucher à la glace ben j'aime moins ça fait que au moins ces gars-là vont avoir la chance de toucher à la glace puis dans le cas d'un Francis Meilleur puis d'un Maxime Villemaire qui vont disputer des matchs en fin de semaine avec les Lions là je sais pas si peut-être je vous l'apprends mais ils vont pas avoir là. On l'a su par Francis. Ouais, une petite fumeur de Francis tantôt. Ben, au moins, je viens pas me mettre les pieds dans les plats, mais avec Max Villemaire et Francis, notamment, qui vont jouer des matchs, ben, tu sais, qui ont pas beaucoup de matchs de jouer cette année, ça va leur faire du bien. Puis, c'est comme ça qu'on voit ça. Là. Puis, si je me trompe pas, les deux qui vont jouer pour le Maine, c'est ce qui a dit que ça serait Damon et Clark. Ouais, Damo puis Clark, donc on a quatre de nos défenseurs. Parce que Philippe Charbonneau également là, qui devrait jouer aussi pour les Lions. Là, fait qu'on a quatre de nos défenseurs qui vont être en uniforme. Puis Maxime Saint-Cyr aussi qui va montrer qu'il y a des bons produits dans la Ligue nord-américaine, puis que c'est un calibre qui mérite d'être découvert. Là. Ouais, c'est dangereux, par exemple, s'il n'y a pas de trois vendredi, Saint-Cyr, il va se faire achaler pas mal. En fait, il va se faire achaler, mais tu sais, moi puis Max, on a eu cette discussion-là souvent depuis le début de la saison. Tu sais, Max Saint-Cyr, il a un bon emploi. Tu sais, la Ligue nord-américaine, ça offre quand même une rémunération qui est intéressante, on va dire ça comme ça. Là. T'sais, fait, t'sais, c'est sûr que son emploi, sa vie familiale, les 3L, ben, ça lui permet de faire ce qu'il aime. Donc, présentement, ça donne bien. Il va aller vivre ça. C'est un gars de Trois-Rivières. C'est un gars de la Mauricie. Mais le cœur de Maxime Saint-Cyr est avec les 3L. Là. On peut rassurer tous les partisans. Là. Même s'il n'y en a pas de 3, ben, on va juste espérer qu'il n'y en a pas de 3 le 23 de nous. Est-ce que le fait, tu sais, Loïc Marcotte est allé aussi avec les Lions, il y a eu une petite blessure, puis il n'a pas joué en fin de semaine passée, manqué des matchs, ben
Vincent Deblois qui dit jouer pour les Lions est égal risque de blessure. Est-ce que c'est quelque chose qui te met mal à l'aise? Oui. Enfin, je pense qu'on va être honnête, oui. Ça me met mal à l'aise, dans le sens qu'on ne veut pas que ça arrive. Nous, c'est sûr que les chances qu'il y ait un joueur qui manque des matchs des 3L d'ici la fin de la saison pour aller jouer des matchs dans East Coast sont pratiquement nulles. Mais on, de l'autre côté, on demande aux joueurs d'être actifs, tu sais, d'avoir de la glace la semaine, des choses comme ça. Donc, c'est dans notre philosophie, au moment où ce qu'on est dans l'année, ben, c'est, je crois que c'est mieux pour eux autres d'aller chercher de la glace, d'aller chercher du feeling de plus. Puis, la East Coast, c'est une bonne ligue, là, on s'entend. Là. Donc, c'est de permettre à ces joueurs-là de continuer à toucher la glace. Puis, tu sais, l'année de COVID a pu faire mal aussi d'aller chercher une certaine game shape. Ce qui fait le plus mal dans le cas de Loïc Marcotte, c'est que il jouait de l'excellent hockey. Il jouait son meilleur hockey depuis son retour. Puis, possiblement un de ses meilleurs hockey depuis qu'il joue à Rivière-du-Loup. C'est sûr que ça fait mal, mais Loïc est même chose. Il va revenir, puis sa priorité, c'est Rivière-du-Loup. Donc, oui, on a une crainte, mais ça fait partie, de la game. Ce qui m'intéresse, moi, ben, ça, on verra au fil de l'année, il va avancer, mais on est en train de voir, je pense, que les Lions s'appuient quand même beaucoup sur la ligne nord-américaine pour combler leur line-up ces temps-ci. Mais qu'on arrive fin février, début mars, là, les playoffs arrivent justement à cause du risque de blessure. J'imagine que ça se peut qu'à un moment donné, les clubs de la ligne nord-américaine disent « OK, non, là, il ne va pas jouer parce qu'on rentre en playoffs. S'il se blesse, on est dans la merde. » Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment donné, les clubs fassent comme « OK, là, genre vous n'allez plus dans East Coast parce que là, on est en playoff. Il n'y a pas question que vous allez vous blesser dans East Coast et ça scrappe un peu notre playoff run. » Oui, mais de l'autre côté, les organisations peuvent mentionner ça, mais il y a aussi le fait que les joueurs ont quand même tout ça à cœur. Ils ont leur organisation à cœur, puis ils ont des contrats avec nous aussi, puis on leur permet de continuer à jouer à toutes les fins de semaine dans une ligue compétitive, qu'il y a des gens qui sont dans les estrades, tout ça. Donc, je pense que la majorité des joueurs, tu sais, je vais parler pour chez nous, là, je peux pas parler pour le reste de la ligue, là, mais ont un respect envers l'organisation, puis je pense pas qu'il y a des joueurs qui vont manquer des matchs de série ou proches des séries éliminatoires qui comprendront pas que ça peut pas se faire, là, dans le sens que je peux pas me permettre de perdre de Maxime Saint-Cyr parce qu'il bloque une shot à Trois-Rivières deux jours avant le début des séries, tu sais. Puis je pense que Max va le comprendre, puis je pense que la majorité des équipes de la Ligue, les joueurs vont le comprendre aussi, mais parce qu'ils ont du respect pour... Tu sais, il y a beaucoup de vétérans dans ces ligues-là qui ont du respect, puis envers les organisations. Fait que je pense pas que ça va être une problématique. Je l'espère, en fait. Il y a Jean-Michel Fortin dans le chat qui demande une question pour Fabien. Est-ce difficile d'être DG de deux équipes en même temps, LNH et LNHB, sachant que la LNHB est pas mal active dernièrement au niveau de transaction? As-tu deux selles? C'est comment? Juste un, mais il était limité. Ah ouais? Il est très, très, très illimité. Ben, en fait, je vais être honnête, c'est présentement, j'ai la chance de combiner mon rôle de directeur général dans la Ligue nord-américaine avec un travail. En fait, je m'occupe d'un centre de deck ici à Trois-Rivières, du centre de deck à Trois-Rivières, okay. Ce qui me permet de faire durant mon travail. Pour le bien de notre centre et pour le bien de notre équipe, fait, ça se combine assez bien, là, dans le sens que j'ai un horaire qui est fait pour faire du hockey et faire un peu du deck en même temps aussi. Fait, de ce côté-là, ça se conjugue assez bien, mais c'est sûr que présentement... je mets beaucoup d'énergie au niveau des 3L, évidemment. Il n'y a pas une heure que je ne pense pas au biais de cette équipe-là. Donc, oui, de vue de l'extérieur, ça peut être dur à combler les deux postes, mais en même temps, ça fait partie de mon travail la semaine quand je ne suis pas directeur général des 3L, on dit ça comme ça, de faire ça. Donc, ça se conjugue assez bien. Non, ça appartient, il appelle ça, c'est le complexe sportif Alphonse Desjardins, là, en fait, là, mais qui gère tout ça, le deck hockey ici à Trois-Rivières, qui est un des plus gros centres en Amérique du Nord, là, je ne me trompe pas. Okay. Puis là-bas, c'est quoi que tu fais exactement? Tu t'occupes des ligues? Oui.
m'occupe des lignes, dans le fond, gestion des horaires. En fait, ça part des horaires à la gestion des achats, qu'est-ce qu'on doit vendre. C'est vraiment de A à Z, là, toute la gestion de la ligue. C'est un horaire qui me permet d'être flexible justement au niveau de mon horaire pour pouvoir me libérer là, pour les 3L, que ce soit les week-ends ou les soirs. C'est que j'ai besoin d'être plus actif, des choses comme ça. Donc, ça conjugue bien, on va dire ça comme ça. Là, c'est pas mal... quand même intéressant là, comme matching de job. Du hockey quand même 100% du temps, c'est ouais. Le fun, ça. Oui, ça se fait bien. All right. Merci Fabien là, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de ton temps. Puis, pour vrai, ouais, ce fut un plaisir. On va te souhaiter une bonne fin de saison. Puis peut-être là, si... des petits mouvements, des choses qui se passent, peut-être te lancer une petite invitation là, pour venir nous jaser. Il n'y a pas de problème, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Quand on a des bonnes nouvelles, on veut toujours être là, mais il y a une affaire, c'est que ouais. je vais toujours être là de toute manière, parce que dans le rôle de DG, il y a aussi le rôle d'ambassadeur de la Ligue et de l'organisation, puis pour moi, c'est important de prendre le temps de parler de mon équipe, de parler de la Ligue aussi, que je continue à apprivoiser. Donc, ça va toujours me faire plaisir. Puis, il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'on travaille fort du côté des 3L pour être excitant à toutes les fois qu'on saute sur la glace partout dans l'île. Yes. Hey, merci beaucoup, les boys. Ça a été super plaisant. Je vais aller me faire un autre petit gin. Puis, puis on passe une belle fin de soirée. All right. Merci à toi. Là. Bonne soirée. On se reparle. Salut, boys. Salut. Bye bye. All right. Très plaisant. Très plaisant. Bonne entrevue. Donc, d'en savoir un peu plus là, sur le métier de DG, d'un nouveau DG en plus là, pour les gens qui ne connaissaient pas. Il vient de Trois-Rivières quand même. Fait Trois-Rivières à Rivière-du-Loup. Si on parle des joueurs, là, des fois qui peuvent faire des distances, je pense que. Des DG aussi. Ouais, c'est ça. Des DG aussi. Donc, peut-être dans le chat, là, Mathieu Ricard qui demande pour les Lions, il y a Villemaire, Meilleur, Saint-Cyr, qui d'autre? Peut-être faire le petit recap, Dave, là, de... Ouais, mais dans le fond, c'est ça, il y a 4 joueurs qui vont s'aligner vendredi pour les Lions de Trois-Rivières. Donc, Maxime Villemaire, Maxime Saint-Cyr, Philippe Charbonneau puis Francis Meilleur. Il y a 2 joueurs qui vont s'aligner pour les Mariners du Maine qui vont jouer contre eux. Donc, Anthony Damo puis Garrett Clark. Puis même demain soir, il y a d'autres joueurs de la Ligue nord-américaine qui vont jouer dans le match de demain soir. Donc, demain soir, il devrait avoir Maxime Saint-Cyr, Gabriel Verpas, démarqué, puis Danick Morin aussi démarqué. All right. Donc, tu sais, on en parle pas mal depuis le début du podcast, mais c'est comme de plus en plus. Puis tu sais, c'est sûr qu'avec toutes les blessures qu'il y a chez les Canadiens, ça a un effet domino avec le Rocket de Laval, puis conséquemment les Lions de Trois-Rivières. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs postes à combler souvent, mais ça fait que ça permet aux joueurs de jouer puis à la Ligue un peu de rayonner à travers ça. Parce que, comme on l'a dit, nos joueurs non On a-tu perdu Dave? Dave 1, Dave 2, Dave 3. Hop. Allô? Ça va? C'est bon? Bon. Ouais. Voilà, ça, on disait que ça permet à la Ligue de rayonner, mais je trouve quand même que ça crée un hype. Puis, tu sais, même les Lions, ils servent un peu de ça. T'sais. Si on regarde les joueurs des équipes de la Ligue nord-américaine, ils ont quand même un crowd. Il y a des gens qui vont cheerer pour eux. Puis là, ben, ils se retrouvent à Trois-Rivières. C'est peut-être une petite manière aussi de faire un peu de marketing, amener des visages connus, des favoris de la foule dans l'aréna de Trois-Rivières. Oui, c'est sûr. Puis, ça peut faire découvrir la ligue aussi en même temps. Oui, c'est sûr, ils prennent, j'imagine, ils prennent les joueurs qui comblent le plus leurs besoins, mais tu sais, on s'entend que les Maxime Villemaire, Danick Malouin, c'est des joueurs... Ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue américaine. C'est des joueurs, mettons, très connus de la crowd du hockey senior québécois. Puis
Puis Denis qui dit les Lions sont-ils full line-up? Comment ça qu'ils ont besoin de tant de nos joueurs? Ben, tu sais, si on regarde juste en haut là, du côté des Canadiens de Montréal, il y a quand même beaucoup de blessés en ce moment. Là. Je sais pas, je pense qu'il y en a de 10, 12, pas plus. Il y a des joueurs donc, de la Ligue américaine qui montent, donc ça fait quand même un roulement. Ouais, j'écoutais le à matin, j'écoutais le 91.9 Sport, puis il disait, tu sais, il avait annoncé le line-up pour la game d'asseoir du Canadien, puis je m'avais vu c'était qui. C'était un des commentateurs là-bas, puis il disait depuis le temps que je suis là hockey, ça doit faire 30 ans, puis je pense que j'ai jamais vu un line-up aussi mauvais. Mais c'est pas de leur faute, mais tu sais, il est arrivé plusieurs choses, mais tu sais, en même temps, non seulement il avait perdu des joueurs comparativement à quand ils sont allés à la finale à Coussané l'année passée, mais c'est ça, ils ont une dizaine de blessés, fait ils n'ont pas le choix d'habiller des joueurs du Rocket de Laval, puis ben, quand il manque des joueurs à Laval, ben, c'est les joueurs de Trois-Rivières qui vont remplacer. Mm-hmm. Fait que ça fait des trous. Puis ils gardent aussi, l'affaire, c'est que les Lions, dans East Coast, tu ne gardes pas tant de joueurs, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais tu ne gardes pas beaucoup de joueurs dans ton alignement. Fait que quand il y a des blessures, ils n'ont pas vraiment tant de joueurs pour combler les postes. Fait que s'il manque 2-3 gars, c'est pas long que tu n'en as plus. Il faut peut-être trouver du monde pour remplacer. Mais si on regarde East Coast, là, si on regarde les line-up, je pense que c'est comme 3 lignes plus 1. Ouais. Des attaquants. 3 lignes de depth. Mais quand même, même en temps normal, là, ils ont moins de joueurs. Là, fait que suffit qu'il y en a 2-3 qui s'en aillent là, quand même. Ouais. Donc, on pourrait peut-être parler à Mathis de la Sardonnaire qui dit que ça aurait été spécial de voir Malouin jouer avec Villemaire. Ouais. Mais, ah, c'est vrai, ça. Mais on peut peut-être parler là, des matchs là, qui ont eu lieu la fin de semaine passée. Il y a eu 3 matchs donc du côté de la Ligue nord-américaine. Peut-être là, parler, on était avec Rivière-du-Loup, les 3L. On gagnait 4-1 vendredi contre les Éperviers. Oui, donc c'est sûr que pour les fans de Sorel, c'était pas le match espéré. Mais pour les fans des 3L, c'est un super beau match de route. Là. Dans le fond, ils ont réussi, tu sais, ça a été serré quand même assez longtemps. C'était 0-0 après une. Ça a tombé 1-0 les Éperviers, mais les 3L n'ont pas lâché. On a mentionné aussi, c'est à 1-0 pour les Éperviers là, que le combat de Jean-Philippe Chabot puis Adambourg venait de survenir. Là. Donc, je pense aussi que le fait de voir le capitaine tomber comme ça après avoir été à la guerre, c'est sûr que ça donne un boost à son équipe. Puis c'est le nouveau duo qu'on a découvert, là, Maxime Saint-Cyr et Antoine Manson. C'est pas mêlant. Là. Ils ont été responsables pour les quatre buts sur 4. Donc, 3 buts, une passe pour Maxime Saint-Cyr encore. Puis l'affaire qui était très encourageante aussi, c'est que on sait que les Éperviers sont capables d'éclore à tout moment au niveau de l'attaque. Puis en troisième période, alors que justement les Éperviers, c'était là qu'il fallait qu'ils mettent de la pression pour revenir dans le match, les 3L ont réussi à comme fermer vraiment la zone offensive. Les Éperviers, en troisième période, n'ont pratiquement pas eu de chance de marquer. Donc, ils ont vraiment réussi là, à tenir le fort défensivement, ce qu'on n'avait peut-être pas vu depuis le début de la saison, là, de réussir à le faire pendant 60 minutes. Donc, c'est une belle performance. Puis, en deuxième période, il faut mentionner le travail aussi de Guillaume Dessel. Guillaume Dessel jouait son premier match depuis un mois parce qu'il avait été blessé. Puis, ensuite de ça, on avait donné des départs à Éric Brassard. Donc, c'est son premier match depuis un mois. Puis, il a mérité amplement sa deuxième étoile. Là. Il a fait plusieurs gros arrêts. T'sais, il était moins testé en troisième période. Là, mais en deuxième période, la raison pourquoi les Éperviers avaient juste marqué un but, c'était de loin Guillaume Dessel. Là. Il avait fait de très gros arrêts. Donc, non, un beau match complet, je dirais, de Rivière-du-Loup sur la route. Du côté du Cool FM, là, qui ont gagné 3-2 contre le Marquis. Ouais. Ça fait du bien. J'ai eu une petite frousse quand je checkais le score parce que ça n'a pas été long, que c'était 2-0 Jonquière. Je me suis dit, oh non, pas encore, Colin, que le Cool FM va se faire planter à la maison. Planter, on s'entend, il avait failli revenir la semaine d'avant, mais finalement, l'attaque a réussi à se lever. On a marqué 3 buts rapides en deuxième période, c'est moi, pour revenir dans le match puis prendre les devants.
Puis après ça, on n'a jamais lâché l'avance. Donc, on a réussi à tenir l'avance. Là, Sébastien Auger a bien gardé les buts. Puis, c'est le fun là, de voir le coup de FM être capable d'aller chercher là, une grosse victoire à la maison comme ça. Donc, ouais, on voit les étoiles de la semaine. Là. Donc, Antoine Masson qui avait fait sa performance vendredi. Puis, on voit Sébastien Auger, là, un gros 38 arrêts sur 40 lancés. Puis, je pense que ça a fait du bien, j'imagine, là, à la foule là, de Saint-Georges, d'avoir une belle performance à la maison comme ça, là, de leur équipe qui sont enfin, c'est plate, là, justement, Yannick n'est pas encore là pour nous en parler. Je l'ai texté là, parce qu'il y avait aussi qu'à chercher sa blonde à son part-time job là, à 9h30. Fait que là, je l'ai comme texté. Je ne sais pas s'il est parti. Un gars occupé. Ouais, on s'était comme dit aussi là, vers 9h. Je pense que les entrevues ont duré un petit peu plus longtemps aussi. Donc, ouais. Ah ouais, en tout cas, ça aurait été le fun pour lui de pouvoir nous parler de ce game-là. Là. Je pense que bon, on l'a vu là, à la fin de la game, puis aussi après le troisième but de Bruno Carl-Denis, là, après le but, là, il était sur le. Ben, c'est lui qui a fait la passe Tifu. Puis après la fin de la game, on l'a vu, là, il avait l'air très, très content. Là, on le sait, là, tiens, il a ça à cœur, là, de, surtout à la maison. Là, il veut tout le temps gagner, il veut tout le temps permettre aux fans d'avoir une victoire. Fait, je pense que ça a fait du bien. Là. Fait beaucoup de bien, je pense, à Saint-Georges, cette victoire. Puis, ben, ça passe, là, si on regarde le top 5 des pointeurs de la Ligue, il a permis de reprendre la deuxième position devant Alexandre Boulet, donc avec cette passe-là, le deuxième pointeur de la Ligue. Si on prend le temps de regarder aussi, Maxime Saint-Cyr qui est rendu à 20 buts, là. Ouais, il a repris l'avance sur Goulet. C'est sûr que Goulet, il n'a pas pu jouer en fin de semaine passée. On s'en... À date, Goulet, il marque plus qu'un but par match, fait qu'il aurait peut-être fait d'autres points. Mais ouais, c'est une super belle saison pour Tifu, là. Puis, sincère, on parle de lui à chaque semaine. Puis, Mathis qui dit le congé va faire du bien au Marquis, là, Véropol, Picard, Gauthier, Brisebois. Il y a beaucoup des blessés. L'infirmerie est occupée, là, en ce moment à Jonquière. Ouais, ben tu sais, les trois aussi là, sont éprouvés par les blessures, les Marquis. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, là, comme c'est plate parce que ça fait des week-ends un petit peu moins chargés, là, mais ça, je pense qu'il y a des équipes qui cracheront pas là-dessus là, d'avoir des joueurs qui sont blessés, qui vont avoir le temps de se reposer. Ils vont manquer peut-être moins de games qui étaient supposés au début. Yes. Donc samedi, il y a eu le match qui nous reste, là, dans le fond, Pétrolier qui a gagné 4-0 contre Rivière-du-Loup. Oui, mais c'était un. Pour vrai, les gardiens étaient très solides dans ce match-là parce que même si c'était 0-0 en troisième période, c'était pas un match qui était plate. Il y avait beaucoup d'actions, il y avait des bonnes mises en échec, il y avait des chances de marquer, c'était up and down. Mais c'était 0-0 pareil après deux périodes. Puis c'est ça, en troisième période, les pétroliers ont réussi à marquer le premier but. Là. Premier but dans la Ligue nord-américaine pour Justin Doucet. Qui a ouvert la marque. Puis ensuite de ça, ça a comme deux autres buts assez rapides là, du côté de Laval là, qui ont fait 3-0. C'est plate parce que. Medley Bouchard, le but de Bouchard, c'est un petit super beau jeu, là, un 2 contre 1 avec Mason Hour, avec un one-timer. C'était vraiment un beau but. Mais c'est ça qui est plate parce que je pense que Francis Meyer l'a dit, là, c'était up and down en deuxième période. Le 3, ils ont eu autant de chance que Laval. Ils n'ont juste pas réussi à la mettre dedans. Fait que c'est sûr que c'est ça qui a manqué. Puis là, ben enfin de troisième, quand ça a tombé 3-0, je pense qu'il y avait un petit peu de frustration au niveau des 3L. Hubert Poulin a voulu faire sentir sa présence. Il en a peut-être mis un peu trop en fin de match, mais c'est des choses qui arrivent, disons. C'est ce qui arrive dans le feu de l'action. Ouais, c'est ça. Fait que ça, mais sinon, Laval, je pense qu'il faut noter la performance de Martin Ouellet. Martin Ouellet, là, qui est loin d'être un mauvais gardien, il a été drafté dans la Ligue nationale. Je pense que son arrivée, c'est tout le temps dur d'arriver dans la Ligue nord-américaine, parce que c'est une ligue qui n'est pas facile pour les gardiens. Mais depuis quelques matchs, là, il est en train de s'établir comme un bon gardien de la Ligue. Là. Il y avait eu un début de saison plus lent, là, mais là, il commence à trouver son rythme. Là. Première étoile la semaine, cette semaine. La semaine dernière, il était deuxième étoile aussi. Ça va bien par les temps qui courent pour le gardien Martin Ouellet. Oui, donc c'est ça. Il est vraiment en train de trouver ses repères, disons, là, puis de
de créer une belle compétition avec Francis Leclerc là, pour obtenir les départs chez les pétroliers, parce que les deux gardiens vont bien. Fait que c'est un beau casse-tête pour Pierre Pelletier. Yes. Donc, il y a trois matchs là, qui vont avoir lieu à cause des matchs là, qui ont été annulés là, à cause de la COVID. Là. Mais il y a trois matchs le prochain week-end. Ouais. Trois matchs en fin de semaine, oui. Ben, tu sais, il y a quand même deux matchs qui sont très, très intéressants. L'aller-retour entre les deux premières équipes au classement général. Donc, un aller-retour Sorel-Thetford-Mines. Donc, jeudi soir à Sorel, vendredi soir à Thetford-Mines. Exact. Fait que je pense que ça va être, deux rencontres au sommet. T'sais, toutes les équipes sont bonnes dans la ligue nord-américaine, mais c'est quand même les deux qui se démarquent le plus depuis le début de l'année. Fait que ça risque d'être très, très excitant, là. Si on regarde aussi peut-être le classement, là, les deux équipes, là, on disait là, la semaine dernière qu'il y avait, comme on dirait, trois divisions, Thetford, Sorel, Laval, Jonquière, puis Pierre-du-Saint-Georges. Ouais. Ben, tu sais, c'est une grosse fin de semaine, je pense, surtout pour Sorel, parce que si on perd, on laisse... Tu sais, mettons ça finit 1-1, c'est pas si pire, ça va pas trop de changement, mais si on perd les deux, on laisse Thetford vraiment filer avec le premier rang, puis là, ils sont partis pour la gloire. Puis non seulement si on perd les deux, ben là, si Laval continue, tu sais, gagne, ben là, il n'y aura plus comme, tu sais, les trois divisions, tu sais, Sorel va être un peu rattrapé par le peloton de la troisième, quatrième équipe, si on veut. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est Sorel, faut pas qu'il lève le pied de sa pédale. Puis si Sorel gagne les deux matchs, ben là, on s'en passe du premier rang. C'est sûr que Thetford vont encore avoir deux matchs en main, mais ça va mettre la pression sur Thetford de gagner leur match. Puis il reste aussi le fait que Thetford, faut pas oublier, ils n'ont pas joué la semaine dernière, mais ils sont quand même à 10 victoires de suite. Ça n'a pas changé, ça aussi. Ouais, fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Là. Ils vont-tu réussir à continuer la série de victoires? Fait que plein d'enjeux en fin de semaine pour cette série-là. À suivre. C'est exactement. Puis là, le dernier match qui reste, je pense que c'est Jonquière à Laval. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que Jonquière à Laval. Deux clubs qui ne se sont pas affrontés beaucoup à date cette année. Fait que ça va être intéressant de voir ça. On le sait, là, Jonquière à Laval, c'est deux clubs. C'est les deux clubs qui étaient supposés s'affronter en série lors de l'année COVID qui a été courtée. C'est deux clubs que. Pas grand club que quand ils s'affrontent, il n'y a comme pas vraiment de rivalité dans la ligue. Je pense que ça va être intéressant. On le sait, la dernière fois qu'on jouait contre, je pense que des joueurs de Jonquière, il y a une petite rivalité si on veut avec Yann Sauvé. On n'a pas vraiment apprécié le fait que Yann Sauvé n'ait pas voulu se présenter à Jonquière. Un peu aussi David Bastien, tu sais, qui s'en sont fait comme échanger à Laval pour pouvoir jouer parce qu'il ne voulait pas trop faire un voyagement. Je pense que c'est des choses que les joueurs de Jonquière ont encore sur le cœur. C'est tout des petites... des petits scénarios qui rendent les games intéressants, là, des trucs à regarder là, pendant ces games-là. Fait que ça risque d'être bon, ça aussi. Puis en même temps, c'est les clubs 3-4. Fait qu'eux, avec, sont dans une lutte à finir là, pour leur positionnement au classement. Fait que ça aussi, c'est le fun. Les pétroliers qui ont dépassé là, au classement Jonquière pour la troisième position avec la grosse victoire de 4-0. Ouais. Donc, ça aussi. Un match qui va être déterminant. Ça, la cédule, elle donne bien, là, en tout cas. On peut dire ça. Oui, à date, la cédule, elle donne bien. Donc, c'était pour les matchs là, qui vont avoir lieu le prochain week-end. Il y a, en terminant, là, on m'a écrit là, tantôt, c'est Julie Miville là, du groupe Passionné, LNOH, photo, vidéo, qui avait un défi pour nous. Donc, je vais la rentrer. OK. Salut. Julie, ça va bien? Oui, vous autres. Ben ouais. Peux-tu mettre ta caméra sur l'autre sens? Oh, pour l'autre sens. All right, parfait. Là, c'est dommage que Steve n'est pas là, mais je vais le dire à vous deux. Dans le fond, toutes les semaines, je fais un genre de petit pool ou de prédiction sur les matchs pour la fin de semaine, puis je voulais vous faire participer en fin de semaine. Un genre de pool expert avec les experts. Okay. Avec les experts. Puis vu que Tiff ne joue pas en fin de semaine, je trouvais ça idéal de le faire embarquer en fin de semaine. Dans le fond, il faut prédire le pointage exact. C'est 2 points pour l'équipe gagnante, 5 points pour
la prédiction parfaite. Puis en fin de semaine, il y a tout un. Aux deux semaines, il y a un bonus. Puis en fin de semaine, c'est le premier joueur qui score. Fait que faut que tu essaies de deviner qui score, c'est 10 points. Mm-hmm. Là, j'aimerais ça vous embarquer. Ça serait un beau défi pour vous autres, je trouve. Ben moi, je ne sais pas pour toi, Dave, là, mais. C'est dur pour moi de ne pas prendre pour. Mais prends pour Sorel, tu marques le joueur. Puis, moi, à date, je prends tout le temps pour Sorel, j'ai des bons points. Ben. Ouais, c'est sûr qu'à date, cette année, ils n'ont pas perdu souvent. Mm. Fait que c'est un petit défi que je vous lance en fin de semaine, de voir lequel des trois qui va être le meilleur. Yes. Et là, on fait ça live? Ça va être demain à 8h, à 20h. C'est tout le temps 24 heures avant le premier match. Vu qu'on joue jeudi, c'est le mercredi. Puis là, c'est. On marque ça dans le groupe, là, passé. Oui, je vais le marquer. Demain à 8h, je vais tout le marquer. Voici les matchs en fin de semaine. Voici vos prédictions. Fait que vous avez juste à le marquer en dessous. On commente en dessous. Okay. Exact. Là, il y a un classement, tout ça qui sort. Toutes les semaines, je calcule ça la fin de semaine. Donc, pour les gens aussi qui nous écoutaient, on pourrait. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ben oui, ça serait cool. On envoie l'invitation. Là. Merci. Ouais, mettre le lien. Faudrait poster le lien quelque part. Oui. Ouais. Dans le fond, c'est la page passionnée en vidéo et on va là-dessus. Puis le mercredi à 20h, ça va sortir. Fait que juste à marquer vos prédictions. Yes, sir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça va être qui le pro. Là, dans... Essayer de convaincre Tiff d'embarquer, ça va être cool aussi. Ben oui, en plus, y a-tu beaucoup de joueurs qui participent? Non, j'en ai pas de joueurs. J'ai juste des passionnés comme nous autres là, qui embarquent là-dedans. Ah, j'avoue que c'est peut-être touché pour des joueurs. Un peu un Pete Rose de ouais. Exact. Ils misent contre eux autres, mais c'est juste pour le fun. Il n'y a rien au bout de la ligne de gagnant. C'est... Des Evander Kane. Ah, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Fait plaisir. Ouais, merci. C'est quand même une belle initiative aussi que votre groupe... À partir, là, ça fait rassembler là, les gens, ça fait faire des discussions aussi. Là. Exact, ça met du challenge pendant des games aussi. Ouais, on va aller faire ça demain. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, bye. Merci de nous suivre. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Bye. All right. Bon, ben, on va voir. On va voir si on connaît rien. Il y a un petit défi, là. Un petit défi, mon Dave. Ouais, ça va être le fun. Good. Donc, ben, sur ce, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je pense que le TIF, finalement, j'y ai écrit, mais je crois qu'il fallait qu'il aille chercher là, sa copine. Mais on va regarder peut-être là aussi dans les prochaines semaines, on va probablement être là mardi prochain, là, mais je pense que peut-être dans le temps de Noël, on va peut-être... Ouais, ben mardi prochain, c'est sûr qu'on va être là. Tu sais, ça faisait une couple de semaines qu'on disait qu'on allait autour des Marquis. Là, on peut le garantir, on est déjà booké la semaine prochaine. Fait que ça, on va l'annoncer pendant la semaine, mais c'est sûr que ça va être un joueur des Marquis la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Ouais, pendant le mercredi, le mardi, on a le jour de l'an, ouais, on verra. Ça tombe le 26. Là, fait que c'est sûr qu'il va falloir voir avec les disponibilités. Ouais. Là, mais la semaine prochaine, on va en avoir un. Le 26, c'est pas sûr. Puis sinon, en revenant là, le 5 janvier, je vois pas pourquoi on n'aurait pas. Ouais, ça. Mais... Je pense pas que le 26, on prendrait peut-être là, une petite pause. Mm-hmm. Les gens ont quand même des parties de Noël. Là, puis... Ouais, c'est ça. Mais on est tous sinon... des passionnés. Là, mais... Ouais, mais soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On va voir si on est capable d'avoir d'autres surprises. Là, comme là, on a réussi à avoir le DG des 3L aussi. Là, mais on a déjà un joueur qui est booké pour le Marquis. Puis. Ah ouais, il y a déjà un. Tu me l'as pas dit, c'était qui le joueur, là, par exemple? Je pense que tu l'as texté. Là. Ah ouais, t'as marre. Ouais. On peut aller checker. Là. Pas sûr. Non? Mmh. Ah ben je te dirai après chaud. Bon, ben c'est correct. On va garder la suspense pour les gens. On va annoncer ça c'est bon. À la semaine. All right. Parfait. Ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Encore une fois, une bonne émission. Pour vrai, deux invités aussi là, qui ont été généreux de leur temps. C'est très plaisant. Puis on va suivre là, les trois matchs. Je le sais, là, sur votre calendrier, vous avez probablement aussi le 23 décembre. On parlera la semaine prochaine, mais ouais, le 23 décembre, ça va être une bonne soirée.
Ah, ouais, c'est une bonne soirée. On met ça sur notre calendrier. All ouais. Right. Bon, ben, merci tout le monde. Merci Dave. Et puis, merci à toi aussi. Merci à tous ceux qui ont regardé encore une fois ce soir. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast, La Source LNH. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.